cette troisième séance régulière du Conseil municipal de l'année 2022, pardon, voyons donc. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs dans la salle, madame, messieurs dans la salle, ainsi que les gens qui sont en ligne web avec nous. Bienvenue, chers fonctionnaires. On vous retrouve avec nous dans la salle du Conseil. Très heureux de vous voir. Bienvenue, chers membres du Conseil aussi. Alors, on a un de nos membres qui est absent ce soir. Malheureusement, avec ce qu'on entend de ce temps-ci, bien, M. Dubuc, là, est pris de la COVID. Donc, c'est à son tour, comme on dit, là. Donc, alors, il est avec nous, on le sait, en pensée. Donc, on y va maintenant pour l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. Donc, il y aura un point à ajouter, hein, c'est bien ça, maître, de ce que vous m'avez donné tout à l'heure. Donc, au point 43, dans le divers 43, donc, attribution d'un contrat pour la mise à jour du système d'éclairage des terrains de tennis. Donc, c'est un point qui s'ajoute pour ce soir. Donc, chers membres du Conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Madame Rossiot. D'appui. Et Madame Grenier. On y va maintenant. Vous avez dû remarquer, là, au cours des dernières semaines, là, on a hissé le drapeau ukrainien à l'hôtel de ville de l'ancienne Lorette. Et en demande de l'ensemble des municipalités du Québec, on nous demande ce soir, puis on le fait avec solidarité, d'adopter une motion de solidarité envers le peuple ukrainien. Maître, je vais vous demander d'en faire la lecture. Vous l'avez ici. Bien, écoutez, je peux la faire. Ça va. Donc, la lecture considérant... Donc, ça nous vient de l'Union des municipalités, hein, c'est ça. Donc, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, considérant que la Fédération de Russie a, se faisant violer les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits territoriaux entre nations, considérant que le Conseil de la ville de l'ancienne Lorette et le peuple québécois sont probablement affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, considérant que le Conseil de la ville de l'ancienne Lorette exprime sa désapprobation la plus totale dans cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, considérant que le Conseil de ville de la ville de l'ancienne Lorette exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien, considérant que de nombreux Québécois ont offert leur soutien envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne. En conséquence, il est proposé que la ville de l'ancienne Lorette condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie, que la ville de l'ancienne Lorette joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression, à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ses différends par la voie diplomatique, que la ville de l'ancienne Lorette demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse, que la ville de l'ancienne Lorette invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien, que la ville de l'ancienne Lorette continue de contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour l'accueil, pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées au pays. Donc, qu'une copie soit envoyée, évidemment, là, à notre premier ministre, M. Justin Trudeau, Mme Joly, M. Legault, et à l'ambassade de l'Ukraine et de la Fédération de la Russie. Donc, ainsi qu'à la Fédération des municipalités et l'ensemble des médias. Donc, c'est la résolution qui n'est, la motion qui nous est proposée par l'UMQ, qu'on a décidé d'adopter ce soir, évidemment, en solidarité avec le peuple ukrainien, comme je vous disais. La participation de la ville de l'ancienne Lorette au-delà de cette participation-là solidaire, bien, il faut aussi comprendre que vous avez lu dans les médias dernièrement, on a une citoyenne lorettaine qui est d'origine ukrainienne. On en a d'autres aussi sur le territoire de l'ancienne Lorette. Je salue là, Mme Natalia Litiuk. Elle a accueilli cette semaine ou fin de la semaine dernière ses parents qui sont arrivés à l'ancienne Lorette, qui demeurent chez elle. Je sais qu'elle est en travail actuellement pour accueillir peut-être une autre famille aussi à l'ancienne Lorette ou au moins des membres d'une autre famille. Donc, j'y ai parlé pas plus tard qu'hier pour lui offrir l'aide de la ville de l'ancienne Lorette. Et ce que je peux vous dire, que jusqu'à présent, on a même aussi offert notre aide là, pour au niveau logistique, s'il y avait des choses qu'on avait besoin de transporter pour aider pour ensuite de s'envoyer en Ukraine. Puis que nous sommes là, en discussion là, avec divers organismes et Mme Litiuk là, pour évaluer la possibilité de voir qu'est-ce que l'on peut faire de plus au niveau de la ville de l'ancienne Lorette, évidemment à la hauteur de nos moyens.
Mais toute notre solidarité là, est signifiée là, au peuple ukrainien aujourd'hui. Puis comme on sait, ben, il y a d'autres façons que la guerre de régler des conflits territoriaux sur la planète que l'on habite. Donc, mesdames et messieurs, je propose probablement unanimement proposer, unanimement résolu pour cette résolution-là. Merci. On y va ensuite de ça avec le prochain point, qui est les séances ordinaires du Conseil d'agglomération de Québec du 23 février, du 9 et du 23 mars. Donc, présentation de l'ordre du jour et orientation du Conseil. Vous avez pris connaissance de l'ensemble des procès-verbaux, de l'ensemble des points qui sont aux ordres du jour. Je ne sais pas si vous avez des questions ou quoi que ce soit, mais comme on le fait habituellement, ben vous, on vous demande de, en solidarité de donner le mandat ou pas de se présenter à la séance d'ADLO et de représenter les intérêts lorrains. Donc, ça nous prend quelqu'un pour proposer et appuyer. Madame Ossio et M. Guérin, je vous dirais en adoption de cette résolution-là que je ne vous cacherai pas que c'est de plus en plus difficile là, nos relations à l'agglomération avec la Ville de Québec. Je ne sais pas si vous suivez les séances d'agglomération régulièrement. Je dois vous dire qu'en novembre dernier, après les élections, là, on avait senti de l'ouverture pour régler le dossier des quotes-parts à la Ville de Québec. Mais comme vous en avez pu vous apercevoir, parce qu'on a fait plusieurs résolutions depuis ce temps-là au conseil municipal, là, en décembre dernier, le 22 décembre, si je ne me trompe pas, on nous a imposé, là, contre notre volonté et évidemment celle de Saint-Augustin, en adoptant avec la Ville de Québec, nous a imposé, là, avec son monopole décisionnel, là, deux règlements qui contreviennent évidemment à l'entente qui est intervenue en 2009 avec les villes de Saint-Augustin, l'Ancienne Lorette et de Québec. C'est cette même entente qui a fait qu'on a gagné nos deux procès, principalement avant, en cour d'appel, en cour supérieure et en cour d'appel. La Ville de Québec a récidivé avec deux règlements. Ces règlements portent évidemment préjudice à la Ville de l'Ancienne Lorette et à la Ville de Saint-Augustin, mais encore plus sournois, ces deux règlements nous lient les mains et les pieds lorsqu'on se présente à l'agglomération. Je vous explique, pour certaines résolutions, certains sommaires décisionnels qui nous sont amenés à l'agglomération, peu importe la décision que l'on prend, l'Ancienne Lorette ou Saint-Augustin, que l'on vote pour, que l'on vote contre un règlement, une proposition qui est à l'ADLO, on se tire dans le pied. Pourquoi? Parce qu'on associe chaque vote au règlement qui a été voté avec le monopole décisionnel de Québec. Donc, on est lié. Mais n'empêche, pour ma part, je vais continuer d'aller à l'agglomération de Québec. Il faut le crier, le signifier haut et fort, ce qui se passe actuellement. Et en même temps, il faut dénoncer certains règlements. Je vous donne un exemple, la dernière séance d'ADLO. Il y avait un sommaire décisionnel où c'est que la Ville de Québec amène une dépense à l'agglomération de Québec de plus de 40 millions de dollars pour payer pour un pont ferroviaire qui passe au-dessus de la 18e rue à Québec. Et l'une des raisons que l'on nous donne pourquoi l'ADLO devrait payer ce 40 millions de dollars-là, c'est à cause que la voie ferrée passe au-dessus d'une rue d'agglomération. Donc, on doit payer pour ça. Et c'est une voie ferrée privée. Grosso modo, c'est quoi? Pour nous, l'impact de la Ville d'Ancienne Lorette, c'est 500 000, je pense. Donc, on ne peut pas laisser aller ça, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer de se présenter. Vous savez, en même temps qu'on a on est retourné malheureusement devant les tribunaux et devant la Commission municipale du Québec pour contester ces règlements-là. Donc, on va y aller avec la suite, mais en toute ouverture, et je relance mon collègue de Québec, on est prêt à aller s'asseoir avec vous, discuter et voir à régler ce fameux problème-là qui perdure depuis des années. Donc c'est ça pour ce qui est du dossier de l'agglomération de Québec. On y va maintenant pour le point 5, nomination d'un directeur général par intérim. Donc, notre DG n'est pas ici ce soir, M. André Rousseau, malheureusement, et qu'on salue parce qu'on connaît M. Rousseau, il est sûrement en ligne avec nous ce soir. M. Rousseau a été victime là, d'un accident et sera malheureusement absent pour une période indéterminée. M. Rousseau on a eu, comme je vous dis, des nouvelles encourageantes. Je dois vous dire qu'en dans les premières heures, on a tous été très inquiétés
sur l'état de santé de M. Rousseau, mais on a appris là, au fur et à mesure que ça se rétablissait rapidement. Donc, on vous souhaite, André, un prompt rétablissement. Revenez-nous rapidement et en pleine santé. Mais d'ici là, la maison est en ordre. Et en même temps, c'est ce qu'on veut vous dire. Et en même temps, entre-temps, on se doit de nommer un DG par intérim. Alors, ce soir, le conseil municipal nomme M. Philippe Millette, qui est ici dans la salle, qui est notre directeur de l'urbanisme. Il sera nommé, M. Millette, le directeur général par intérim en l'absence de M. Rousseau. Donc, M. Millette continuera d'occuper son poste de directeur de l'urbanisme, évidemment, en même temps. Donc, sa rémunération sera augmentée de 15 % pour cette période, considérant le cumul des deux postes. Évidemment que l'ajout de 15 % ne dépasse pas le salaire qui est octroyé au directeur général actuellement. Donc, merci d'avoir accepté de relever le poste, M. Millette. Puis, vous aurez la collaboration de tous vos collègues. Ils nous l'ont déjà tous signifié. Donc, puis, je remercie en même temps toutes les équipes sur le terrain, toutes les équipes à l'Hôtel de Ville. Nous sommes à l'ancienne Lorette, une petite équipe de plus en plus soudée, serrée, qui travaille fort dans un climat positif, dans un climat où c'est qu'on veut bien faire, qu'on veut... Je pense aux gens des travaux publics, je pense ici à l'urbanisme, je pense aux travaux publics, nos contremaîtres, nos cols bleus, qui travaillent très fort de ce temps-ci. On a eu un hiver assez exceptionnel, surtout la fin de l'hiver. On a eu presque la moitié de la neige de l'hiver dans le dernier mois et demi, là. Tu sais, je parlais là, à un de nos contremaîtres, M. Summerstone. Il a fait des journées, des nuits. Un autre contremaître, Guillaume, même chose aussi, puis ainsi de suite. Donc, merci, messieurs. Merci à toute l'équipe des travaux publics aussi pour le travail que vous faites en ce moment. Puis, merci aussi à l'équipe à l'Hôtel de Ville, à l'Aquagym, à la bibliothèque, ainsi de suite. Donc, on y va. Donc, félicitations, M. Millette. Merci beaucoup. Puis, donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer pour M. Millette, s'il vous plaît. À l'unanimité. Bon, parfait. Regardez, on vous l'a dit que c'était... Alors, unanimement proposé, unanimement résolu. Merci. On y va maintenant pour nomination d'un maire suppléant. Comme on a fait à l'habitude depuis quelques années, les membres du conseil se relaient aux 4 mois au niveau de la suppléance, au niveau de la mairie. Donc, les 4 derniers mois, ça a été Mme Ossio qui était mairesse suppléante. Merci, Mme Ossio, pour ces 4 derniers mois de votre support dans mon poste de maire. Et maintenant, on est rendu, on y va très simplement dans l'ordre des numéros de district. Donc, aujourd'hui, ça serait Mme Isabelle Grenier, si vous acceptez le poste. Bien sûr. Bon, merci. Donc, ça nous prend quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Bien, tout le monde ensemble. Alors, tout le monde ensemble, parfait. Ça ne peut pas être plus unanime que ça. Merci. Donc, on y va maintenant avec le point 7, approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 22 février et des séances extraordinaires du 1er et 21 mars. Vous le savez, on l'a dit lors de la dernière séance régulière, pourquoi on a eu 2 séances extraordinaires lors du dernier mois. C'était pour faire avancer nos dossiers concernant nos réfections de rue qu'on veut faire cet été. Donc, on se devait de faire les règlements nécessaires et il y avait 3 étapes pour en faire le dépôt au gouvernement. C'est ce que l'on a fait lors des dernières séances. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant les procès-verbaux? Ça va? Donc, on va prendre quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Propose. Alors, M. Hallé. J'appuie. Et Mme Lorrain. On y va maintenant, le point 8, autorisation de signature du protocole d'entente pour la réfection du parvis de l'église. Comme vous le savez, au cours de la prochaine année, on fêtera à l'ancienne Lorette notre 350e. Et on a entrepris des démarches avec les gens de la fabrique, parce que l'église est un pivot central au niveau de la ville et qui est une place publique importante, pour signifier, et on vous dévoilera dans quelques temps le résultat du travail qui sera fait, mais pour marquer ce 350e anniversaire qui sera fait sur la place centrale de la ville de l'ancienne Lorette, tout près de où la ville a débuté. Là. La ville de l'ancienne Lorette a débuté vraiment à cet endroit-là. Donc, on a une entente avec les gens de la fabrique pour ça. Et Maître, je vais vous laisser nous la présenter. Oui, merci, M. le maire. Alors, effectivement... Est-ce que votre micro est ouvert? Excusez-moi. Merci.
Alors, effectivement, là, il s'agit d'un protocole d'entente qui est un peu préliminaire là, à des travaux de réfection ou d'amélioration un peu esthétique, un peu aussi historique. Là, donc, il y a un projet qui est prévu. Et afin de débuter les travaux, on doit évidemment là, octroyer certains contrats d'ingénierie, de confection, de plans et de vie. Alors, pour nous permettre à la Ville contractuellement de pouvoir là, octroyer ces contrats-là, on doit avoir un certain protocole d'entente qui est préliminaire avec la fabrique donc, de la paroisse de Notre-Dame de l'Annonciation. Et ce protocole-là nous permet d'entreprendre les démarches pour les travaux qui auront lieu au début de cet été. Et le protocole soutient ou en fait prévoit que suite à la réfection, il y aura une cession de terrain qui aura lieu. Donc, on aura évidemment, on obtiendra à la Ville là, les droits sur ce terrain-là qu'on va par la suite entretenir, évidemment, et qui vont appartenir à la Ville d'Ancienne Lorette. Parfait. Merci. Donc, ça nous prend quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Guérard. Et j'appuie. Et Madame Grenier. On y va maintenant avec le prochain point. Alors, les ressources humaines au niveau des embauches. Donc, j'ai demandé à Madame Grenier dans un premier temps et ainsi ensuite de ça pour les points 11 et 12, Monsieur Guérard, de nous les présenter à notre habitude. Bien, comme je vous ai déjà dit, j'ai réparti des responsabilités parmi les membres du Conseil et ça me fait plaisir là, de les inviter à présenter là, certains points à l'ordre du jour de nos séances. Donc, Mme Grenier, je vous laisse présenter le point 9. Parfait, merci beaucoup. Donc, c'est un rapport là, de Mme Gina Larouche concernant l'embauche de l'équipe de coordination pour le PVE cet été. Donc, en prévision là, du programme Vacances été, il y a une relance qui a été faite auprès du personnel de coordination qui était en place en 2021. Deux candidats se sont montrés intéressés. Donc, il en restait quatre responsables à combler. Il y a eu quelques entrevues, puis les quatre candidats retenus faisaient déjà partie là, de l'équipe d'animation. Donc, c'est finalement là, les candidats Rose-Marie Daigle comme coordonnatrice adjointe, Julie Mathieu Trottier comme responsable de l'accompagnement. Et les responsables de groupe sont Laurie Hamelin, Juliane Picard, Claudie Ferland et Courtney Aublet. Donc, pour ces postes, la rémunération sera de 25 $ de l'heure pour la coordonnatrice adjointe et 18 $ de l'heure là, pour les responsables. Donc, c'est la recommandation là, qui est de l'embauche de ces personnes. Puis, il y a aussi un deuxième rapport, là, toujours de Mme Larouche, pour l'embauche. On peut pas faire les deux en même temps? Non. Bon, OK. Je suis allée trop vite, donc... Alors, ça nous prend quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Monsieur Guérard. Et on y va maintenant avec le point 10, Madame Grenier. Oui, donc c'est ça. C'est encore pour l'animation du PVE. Donc, à la suite là, des entrevues qui ont été faites, la liste des candidats choisis là, pour l'animation cet été sont Anne-Marie Savard, Noémie Latulippe, Jason Vachon, Rosalie Trottier, Nicolas Normand, Thomas Pelletier, Jeanne Bergeron, Mallory Aubu, Émile Saint-Arnaud, Émilie Hudon, Béatrice Simard, Sofiane Lavallée, Rosilia Tremblay-Gagnon, Théodora Ouellette, William Riopel-Serré, Jade Daponte, Satya Couture-Tardif, Mathis Côté, Mélina Gagnon, Liane Lévesque, Adama Donzo, Mégane Gagnier, Annabelle Couillard, Maude Marois, Magali Brière, Mélissa Bernier, Coralie Dussault. Et les accompagnatrices sont Alison Roy, Mimi-Jade Arsenault, Mégane Théberge, Juliane Gay, Marguerite Thibodeau, Julie Quentin et finalement Daphné Robert. Donc, c'est du personnel là, qui sera à 14,75 $ soit 50 cents quand même de plus que le salaire minimum de mai 2022. Donc, on recommande là, l'embauche de tous ces candidats. Puis, je voulais leur souhaiter là, un super bel été. Merci beaucoup de s'impliquer là, auprès de nos jeunes. Puis, merci. Merci beaucoup. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup à tous ces gens-là. Et bienvenue à la Ville de l'Ancienne Lorette, évidemment. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît? Propose. Alors, M. Harley? J'appuie. Et Mme Lorrain. On y va maintenant avec le point 11. M. Guérard. Oui, c'est concernant l'autorisation d'application de la politique portant sur le télétravail et sur l'horaire de travail flexible aux employés cadres.
Considérant que le télétravail et l'horaire flexible sont permis au col blanc selon la convention collective en vigueur, nous recommandons l'application des politiques de télétravail et d'horaire flexible similaires pour les cadres. Parfait. Donc, alors, pour ce point-là, c'est évidemment que c'est tout simplement de donner les mêmes conditions au niveau des cadres, au niveau du télétravail que nos autres employés. Donc, quelqu'un pour proposer peut appuyer, s'il vous plaît. Madame Ossio. Et Madame Grenier. On y va, s'il vous plaît, M. Guérard, avec le point 12, embauche d'un préposé au plateau poste régulier. Oui, un rapport de Gina Larouche. Donc, afin de permettre une stabilité sur nos différents plateaux du lundi au vendredi de jour et pour donner suite à la négociation de la convention collective d'École bleue, nous sommes entendus avec le syndicat afin de créer un poste régulier de préposé au plateau. Nous avons reçu 8 candidatures pour ce poste et nous avons rencontré 5 personnes en entrevue. Marie Oumar Vieira a été sélectionnée afin de combler ce poste. Marie Oumar Vieira sera embauchée comme préposée au plateau à l'échelon 2, soit au taux d'horaire de 15,98 $. Merci. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît. Je le propose. Alors, Mme Lorrain. J'appuie. Et Mme Grenier. Merci, Mme Grenier. Merci, M. Guérard. On y va maintenant avec le point suivant, le point 13, en lien avec les loisirs. Et je demanderai à M. Sébastien Allais de nous présenter la demande d'adhésion au programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air. Le PAFLIR. Donc, un rapport au conseil de M. Frédéric Roy dans le cadre du programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales en matière d'activité physique et de plein air, PAFLIR. La Ville de l'Ancienne Lorette a déposé une demande de subvention pour l'achat d'équipements sportifs qui sera prêté gratuitement à nos citoyens et aux écoles lors de leur venue au parc de la Rivière. La Ville demande une aide financière de 7 000 $. Dans le cadre de ce programme, le demandeur doit fournir 25 % du montant total. Donc, la Ville devra débourser un montant de 1 750 si la demande est acceptée. Compte tenu de la possibilité de pouvoir compter sur une aide financière très intéressante dans le cadre du présent programme, M. Roy recommande d'autoriser la présentation d'un projet dans le cadre du programme PAFLIR, en confirmant ainsi l'engagement de la Ville à assumer 25 % de la facture totale dans le cas d'une acceptation de ce dernier. Merci. Écoutez, ça fait partie de nos priorités d'aller chercher le plus de subventions possible. Donc, lorsque l'on fait des acquisitions, bien, ça nous coûte le moins cher possible. Donc, merci pour la préparation, M. Roy, de ce rapport-là. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Grenier. J'appuie. Et M. Guérard. Monsieur, maintenant, toujours avec les loisirs. Donc, M. Allez, autorisation de paiement pour les services d'agents de sécurité 2020 et 2021. Donc, un rapport au conseil de M. Martin Blais. En avril 2020, un contrat a été attribué à la firme Garda pour la surveillance des parcs et comme signaleur durant les opérations de déneigement du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. En raison des mesures sanitaires à faire respecter, nous avons été dans l'obligation de retenir les services de l'agence plus souvent que ce qui était préalablement autorisé. Donc, pour l'année 2020-2021, un montant supplémentaire de 4 683,50 sous est nécessaire pour permettre le paiement des factures en suspens de la compagnie Garda. Donc, M. Blais recommande d'autoriser le paiement de ce dépassement de coût des agents de sécurité. Merci. Évidemment qu'on a eu de besoins supplémentaires à ce que l'on a eu au niveau de l'année. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyez, s'il vous plaît. Madame Ossio. J'appuie. Monsieur Guérard. On y va maintenant avec le point 15 au niveau de la bibliothèque. Demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications. Projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Je demandais à Mme Lorrain de nous présenter ce dossier. Oui, c'est un rapport au conseil de Mme Nadine Poirier, qui est la directrice de la bibliothèque Marie-Victorin. Donc, à chaque année, une demande d'aide financière est acheminée au ministère de la Culture et des Communications pour l'achat de livres périodiques et documents audiovisuels, autant québécois qu'étrangers. Il s'agit d'un programme qui s'appelle « Projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes ». Et le ministère demande à ce qu'il y ait une résolution qui soit faite par le Conseil. Et bien sûr, c'est un programme récurrent. Et cette année, la bibliothèque Marie-Victorin demandera 112 500 $ pour l'année 2022. La Ville de l'Ancienne Lorette doit fournir une contribution minimale du tiers, donc 33 et tiers pour cent.
Donc, c'est une recommandation d'adopter une résolution au Conseil afin d'acheminer cette demande d'aide. Tout à fait intéressant. Merci. Évidemment, là, qu'on a des abonnements pour des périodiques étrangers, des livres québécois, des livres étrangers, des disques compacts, des livres numériques et des livres audio numériques. Donc, c'est hyper intéressant parce que on ne paie que 33 % de la dépense totale avec ce programme de subvention-là. Puis, bon an, mal an, je pense qu'on les a à chaque année, hein, ces programmes-là. C'est ça qui est d'autant plus intéressant. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Lorrain? J'appuie. Et Madame Grenier. On y va maintenant avec les points d'urbanisme. Monsieur le directeur général par intérim, on vient de dire que vous êtes aussi directeur de l'urbanisme. Donc, on va vous laisser présenter les points d'urbanisme, s'il vous plaît. Oui, comme à l'habitude, dans le fond, les points 16 à 20, donc les points de demande de dérogation mineure et d'EPIA, on va tous les présenter dans un seul bloc. Après, dans le fond, s'il y a des questions, on va ouvrir une période de questions. Donc, on va commencer avec le premier point, qui est la demande de dérogation 1253 rue du Vison. On voit ici, c'est une maison unifamiliale isolée. On le voit ici. On le voit en façade, sur le côté. Et la demande, c'est de permettre la construction d'un garage attenant au bâtiment principal avec une marge de recul avant de 4,9 mètres, alors que le minimum prescrit par le règlement de zonage est de 6,1 mètres. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. C'est que le propriétaire, initialement, voulait construire le garage le plus proche de son voisin. Et là, ben là, ça ne fonctionnait pas. Là. Le conseil municipal a refusé cette demande de dérogation-là. Et il faisait ça parce que, dans le fond, il avait besoin d'assez de largeur de son garage pour avoir une porte en devanture pour pouvoir accéder à son garage. Donc, il y a une porte normale plus la porte de garage à côté. Donc, ce qu'on a plutôt présenté et discuté avec le propriétaire, c'est d'avancer le garage pour avoir la porte sur le côté pour avoir une marge de recul plus grande avec son voisin. Donc, de ne pas coller le garage sur la ligne de propriété. Et pour faire ça, bien, ça prend une dérogation mineure, mais cette dérogation mineure-là est moins impactante que le plan initial du propriétaire. Donc, on voit les plans. Donc, la porte est comme sur le côté, sur la partie en avant. On voit la porte ici, sur le côté gauche. Donc, voici la dérogation. Le CCU est favorable avec cette demande de dérogation. Prochaine dérogation, c'est le 1776 rue de la Doucine. Donc, on voit, c'est encore une maison unifamiliale sur un terrain de coin qu'on voit ici. Donc, c'est de rendre réputé conforme l'implantation d'un portique fermé attenant au bâtiment principal avec une marge de recul avant de 5,1 mètres, alors que le minimum prescrit par le règlement de zonage est de 6,1 mètres. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a eu des rénovations au niveau de la maison et de bonne foi, faites par les propriétaires, mais le contractant n'a pas demandé de permis pour fermer le portique parce qu'il pensait que ça ne prenait pas de permis. Et après validation, la marge de recul n'était plus conforme. Mais comme ça a été fait de bonne foi, dans le fond, le CCU était favorable à donner la dérogation mineure dans ce cas-là. On voit ici les travaux. Donc, comme je disais, le CCU est favorable. Donc, on passe en… Bien, dans le fond, c'est fini pour les dérogations mineures. Fait que j'arrête là. Juste pour s'il y a des gens qui ont des questions en ligne. Bien, premièrement, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle pour ces deux dérogations mineures? Ça va. Je ne vois pas en ligne qu'il y en a. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut vérifier, mais on peut peut-être faire le prochain point puis revenir au pire pour les adopter. D'habitude, il y a plus de dérogations. Fait. Donc là, j'étais parti. Fait. Donc, pour laisser… Donc, en PIA, on a le 15-30… Vous êtes trop occupé, là, depuis que vous avez la direction générale. Vous avez moins le temps de nous en faire. 15-30 rue Saint-Paul. Donc, c'est un terrain qui est à côté de sur la rue Saint-Paul. C'est un terrain vacant qu'on a. On voit ici. Donc, en fait, le terrain est en arrière de l'arbre. Là, ça n'apparaît pas, mais il y a un terrain à cet endroit-là. Et le promoteur a essayé à plusieurs fois de déposer des plans. La municipalité n'a pas voulu aller avec une modification de zonage. Donc, on a voulu respecter le règlement de zonage qui indiquait que c'est dans le fond une maison unifamiliale qu'il fallait qu'il se construise. C'est ce qu'il nous propose aujourd'hui. Donc, on voit l'implantation, maison unifamiliale, deux étages avec une entrée, là, ce qui se fait de manière courante à l'ancienne arête. On voit les plans ici.
Et ce qui est bien avec ce plan-là, parce que c'est un projet qui a été beaucoup travaillé par le conseil, la rue Saint-Paul, on veut garder son cachet. On voit un peu, là, on voit pas bien dans la salle, là, en rouge, là, les arbres qui vont être coupés et les arbres qui vont être conservés. Donc, les gros arbres en devanture de la rue Saint-Paul vont être conservés. Donc, on va vraiment construire en cour arrière et on va conserver les arbres en cour arrière aussi. Les seuls arbres qui vont être coupés, c'est vraiment les arbres autour de la bâtisse, parce qu'il faut construire le bâtiment. Donc, on voit la construction ici, un 3D, et le CCU est favorable à cette demande de PIA. Prochain PIA, c'est le 1291 avenue Jules Verne. Donc, c'est sur l'avenue Jules Verne, c'est le projet ACO qu'on voit là, vue du ciel. Donc, c'est une bâtisse qui est quand même, somme toute, assez moderne et récente. Et il y a une nouvelle entreprise qui s'installe. Et dans le fond, l'idée, c'est... Je peux-tu comme... On voit-tu mon... Non, on voit pas mon curseur. Ah, attends. J'essaie quelque chose de nouveau. J'essaie quelque chose. Ici, donc, on a Royal Lepage qui va s'installer dans cette bâtisse-là, et ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez de vitres, il n'y avait pas assez de lumière dans le bâtiment. Donc, le projet, c'est vraiment de venir modifier l'architecture du bâtiment pour augmenter la fenestration. Donc, on voit là, avant, après, à droite, les modifications. Donc, on a des fenêtres beaucoup plus hautes. Donc, le bâtiment est encore plus beau comme ça. Tout à fait. Ah oui. On voit les plans plus techniques. Le CCU est favorable à ça. Et là, j'ai fini. Parfait. Donc, est-ce qu'on a eu des questions au niveau de... Non, on n'a aucune question au niveau du public, là. Parfait. Donc, aucune question au niveau du public dans la salle non plus. Donc, on va y aller avec les demandes de dérogation. On va y aller une après l'autre. Donc, le point 16, la demande de dérogation mineure au 1253 rue du Vision. Quand quelqu'un pour proposer, appuyer. Je propose. Madame Lorrain. J'appuie. Et Monsieur Harley. On y va maintenant avec le point 17, demande de dérogation mineure au 1776 rue de la Doucine. C'est de rendre réputé conforme une marge. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer. Je propose. Monsieur Guérard. J'appuie. Et Mme Grenier. On va maintenant avec les plans d'implantation et d'intégration architecturale au 1430 rue Saint-Paul. 1530. Ben oui, 1530. Merci. Chance que vous êtes là. 1530 rue Saint-Paul. Alors, le point 18. Je propose. Merci, Mme Grenier. Mm-hmm. Et Mme Ossio. On y va maintenant avec le point 19, le plan d'implantation et d'intégration architecturale au 1291 avenue Jules Verne. Quelqu'un pour proposer, appuyer? Je propose. Madame Lorrain? J'appuie. Et Monsieur Harley. On y va maintenant avec l'autorisation de signature d'une entente relative à l'utilisation et au partage des frais d'entretien du stationnement de la bibliothèque Marie-Victorin. Comme vous savez, on a acquis le stationnement de la bibliothèque Marie-Victorin il y a quelques années. Et on a un rapport au conseil de M. Philippe Millette qui nous autorise une signature d'une entente relative à l'utilisation et au partage des frais d'entretien du stationnement de la bibliothèque Marie-Victorin. Comme vous le savez, on a des commerces qui sont avoisinants et on a des ententes avec les commerces pour certains espaces de stationnement. Donc, on leur charge les espaces de stationnement pour soit leur clientèle ou leurs employés. La plupart du temps, je pense que c'est pour leurs employés. Et ensuite de ça, donc à ce moment-là, entre autres, au niveau des commerçants qui sont aux alentours, là, il y a la compagnie 93-66-14-25 Inc., qui est le Resto Richard, ImmoStar Gestion Immobilière, Plaza Saint-Jacques, la Caisse Populaire des Jardins Piémont. Donc, cette entente est pour rembourser une partie des frais d'entretien du stationnement en échange de l'utilisation des cases par les clients de ces commerces. Pendant toute la durée de l'entente, la Ville assume 40 % des coûts reliés à l'entretien. Donc, on comprend que 60 % des coûts sont assumés par les gens qui prennent les cases de stationnement. Pour leur part, les entreprises contribuent à 60 %. Les ententes relatives à l'utilisation et au partage des frais d'entretien du stationnement sont venues à terme le 15 septembre dernier. Donc, on renouvelle cette entente-là, dont subséquemment les frais encourus pour l'entretien du stationnement municipal de la bibliothèque Marie-Victorin sont de 6 759,42 $. Qui représente 40 % des frais totaux d'entretien. Donc, cette recommandation d'approuver cette répartition et de modifier la date de paiement d'entretien
au 1er janvier de chaque année, d'établir la facturation selon l'IPC annuel du Québec et de permettre à la greffière ou en son absence, l'assistante greffière ou le maire ou en son absence, le maire suppléant, de signer les ententes pour une durée de 2 ans. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît. Madame Ossio. J'appuie. Et Madame Grenier. On y va maintenant avec les points 21 et 22. On peut les traiter en même temps, hein, vu que c'est des avis de motion avec le même nom d'avis de motion. Donc, pour le point 2021, c'est les règlements 368-2022 modifiant le règlement de zonage 965-89, modification des usages autorisés de la zone CVC1. L'avis de motion est présenté. Dépôt de premier projet de règlement. Donc, Madame Mossio, est-ce qu'on présente le premier dépôt avant? J'ai une présentation. On va écouter votre présentation, puis après, on fera l'avis de motion. La présentation. Non, après ça, on va faire l'avis de motion. Il va nous faire la présentation. Oui, donc on a un avis de motion pour le règlement 368-2022 et une présentation du premier projet aussi. Donc, dans le fond, la présentation du règlement, c'est le projet vise à modifier les usages autorisés dans la zone CVC1. Donc, c'est sur la rue Saint-Jacques, afin d'ajouter la classe d'usage habitation unifamiliale contiguë, H1-3. Donc, c'est toujours... Oh, je ne sais pas si vous voyez bien sur le plan. Donc, on a la zone CVC1 qui est, somme toute, dans le fond, la zone qui est en arrière de la Caisse populaire sur la rue Saint-Jacques. Et dans le fond, on rajoute la possibilité de faire des maisons en rangée dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que dans le fond, au coin de la rue Saint-Aimé et Saint-Jacques, il y a un projet de maison en rangée qui a été présenté. On va le présenter en PIA dans une séance ultérieure. Et ce projet-là a été travaillé avec le conseil pendant plusieurs mois. Et on a rencontré en fait tous les propriétaires autour. Le projet a été présenté à tous ces propriétaires-là. On a fait des ajustements au niveau du projet. On est rendu à adopter la modification réglementaire pour autoriser les maisons contiguës. Tout à fait. Donc, il y a eu déjà des présentations, comme M. Millet l'a dit, avec l'ensemble des résidents du secteur. Le projet, évidemment, avant d'être adopté au conseil, va être présenté aux citoyens aussi et présenté ici au conseil municipal. Donc, actuellement, ce n'est que le premier, c'est l'avis de motion pour présenter aux citoyens les changements apportés dans ce secteur-là. Donc, et c'est un plus, je dois vous avouer, pour ce secteur-là. Là. C'est un grand plus. Donc, Mme Ossio. Alors, je donne un avis de motion à l'effet que le premier projet du règlement numéro 368-2022, modifiant le règlement de zonage V965-89, modification des usages autorisés en zone C-VC1, sera présenté pour adoption. L'objet de ce règlement vise à modifier les usages autorisés dans la zone C-VC1 afin d'y ajouter la classe d'usage habitation unifamiliale contiguë, entre parenthèses H1-3. Cette modification réglementaire tient compte du cadre bâti existant et projeté. Merci, Mme Ossio. Donc, on y va maintenant avec... Oui? Ouais. Oui, c'est vrai, on avait les Ah, d'accord, c'est vrai, c'est en même temps. Donc, le point 20, donc, le 22, règlement 368, modifiant le règlement, donc, le premier projet de règlement, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Guérard. J'appuie. Et Madame Lorrain. Donc, on y va maintenant pour le point travaux publics. Donc, le point, M. Sébastien Allais, vous occupez des travaux publics. Vous avez déjà dit que vous n'aviez pas présenté grand-chose au conseil municipal. Donc, je pense que vous êtes gâtés ce soir pour les travaux publics. On est parti. Donc, on va les passer un à un avec ensuite de ça là, pour proposition et adoption chacun des points. Donc, je vous invite à présenter les points de... 23 à 34, mon cher. Donc, voilà. Monsieur Allais, on vous écoute.
votre côté pédagogue va sortir. Donc, point 23, attribution d'un contrat de service pour de collecte lot 1 et 2. Donc, un rapport au conseil de M. Guillaume Savard pour l'attribution d'un contrat pour les services de collecte et de transport des matières résiduelles et recyclables, lot 1 et 2. En prévision de l'attribution d'un contrat pour les services de collecte de transport matières résiduelles et recyclables, lot 1 et 2, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres le 13 janvier dernier pour une période initiale de 3 ans avec 2 options de renouvellement d'une durée d'une année chacune. L'appel d'offres permet à la Ville d'octroyer le contrat pour l'ensemble des collectes ou par lot. Le prix est basé sur l'entente initiale de 3 ans. Donc, lors de l'ouverture des soumissions le 11 février 2022, nous avons procédé à l'ouverture des 2 soumissions reçues par la première GFL et la deuxième par Sanitaire. La conformité des soumissions ayant été analysée par le service de greffe, l'entreprise GFL est le plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 1 et 2, service des collectes de transport de matières résiduelles et recyclables pour un montant total de 3 330 859 et 22 sous. Toutes taxes incluses. Les sommes de 3 330 859 et 22 sous, toutes taxes incluses, nécessaires à l'octroi du contrat pour la collecte des transports de matières résiduelles est disponible au poste budgétaire attitré à enlèvement des ordures et est assujetti à une variation puisque le coût de la collecte et le transport est déterminé en fonction des quantités, des prix unitaires et de l'ajustement mensuel du tarif de la collecte et du transport en raison du coût carburant. L'entreprise JFL est le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 1, collecte des déchets, bac roulant résidentiel pour un montant de 2 101 282 $ et le lot 2, collecte des matières recyclables, bac roulant résidentiel pour un montant de 1 229 576 $ toutes taxes incluses. Donc, M. Savard recommande d'octroyer le contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour le lot 1, collecte des déchets, bac roulant résiduel, et le lot 2, collecte des matières recyclables, bac roulant résidentiel, à la compagnie GFL, le plus bas soumissionnaire conforme pour les montants totaux respectifs de 3 330 859 et 22 sous, toutes taxes incluses. Il recommande aussi une réserve d'une somme de 499 628 $ correspondant à 15 % du montant total de la soumission, soit constitué pour permettre le cas échéant des variations de quantité imprévues. Merci. Alors, quelqu'un pour proposer appuyer? On n'a pas le choix de ramasser nos recyclages et nos déchets. Puis en plus, au niveau du carburant, je pense que c'est la première année qu'on les voit, hein, que l'ajout, l'ajustement au niveau du carburant, non, c'était là par le passé aussi. Je n'avais pas allumé les dernières fois. Donc, alors, quelqu'un pour proposer? Je propose. Madame Lorrain. J'appuie. Et Madame Grenier. On y va maintenant avec le point 24, Monsieur Allais. Attribution d'un contrat pour les services de collecte de résidus verts encombrants et la collecte des déchets en conteneur chargement avant lot 3 et 4. Donc, toujours un rapport de Monsieur Savard en prévision de l'attribution d'un contrat de service pour les collectes de résidus verts encombrants. Résidus verts, encombrants et la collecte de déchets en conteneurs chargement avant lot 3 et 4. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres le 13 janvier dernier pour une période de 3 ans avec 2 options de renouvellement d'une durée d'une année chacune. L'appel d'offres permet à la Ville d'octroyer le contrat pour l'ensemble des collectes ou par lot. Le prix est basé sur l'entente de 3 ans. Donc, lors de l'ouverture des soumissions le 11 février dernier, nous avons procédé à l'ouverture de 2 soumissions reçues pour le lot 3 et de 4 soumissions reçues pour le lot 2. Donc, la compagnie AGH a soumissionné pour le lot 4 seulement. La compagnie GFL avait soumissionné pour le lot 3 et le lot 4. La compagnie Sanitaire avait soumissionné pour le lot 3 et 4. Et la compagnie Villeco seulement pour le lot 4. Donc, l'entreprise Sanitaire est le plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 3 et 4. Service de collecte des résidus verts, encombrants et collecte des déchets en conteneur chargement avant pour un montant total de 1 144 411,75 $, toutes taxes incluses. La somme de 1 144 411,75 $, toutes taxes incluses, nécessaire à l'attribution du contrat pour la collecte de résidus verts, encombrants et les collectes des déchets en conteneur chargement avant, est disponible au poste budgétaire attitré à enlèvement des ordures et est aussi assujetti à la variation puisque le coût
La collecte et le transport sont déterminés en fonction des quantités, des prix unitaires et de l'ajustement mensuel des tarifs de la collecte et du transport en raison du coût des carburants. L'entreprise sanitaire est le plus bas soumissionnaire conforme aux lots 3 et 4 pour un montant total de 1 144 411,75, toutes taxes incluses. M. Savard recommande aussi d'octroyer le contrat pour la collecte des résidus verts encombrants et la collecte des déchets conteneurs chargement avant le lot 3 et 4 à la compagnie sanitaire, le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant respectif de 1 144 411,75, toutes taxes incluses. Il recommande aussi qu'une réserve de somme de 171 661,76, correspondant à 15 % du montant total de soumission, soit constituée pour permettre, le cas échéant, les variations de quantité imprévues. Merci. Ça va bien? Oui, ça va super bien. Alors, moi, je trouve que ça va très bien. Alors, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Guérard. Madame Ossio, vous avez le sourire aux lèvres. Vous allez appuyer ça? Bon, parfait. Vous allez appuyer votre collègue, Monsieur Harley, je suis persuadé. Hein? On est tous derrière vous, Monsieur Harley. On y va avec le point 25. Alors, pour les lots 5 et 6, toujours dans les matières... recyclables, conteneurs chargement avant et collecte de matière en conteneurs transrouliers, un rapport de M. Rousseau. Donc, en prévision de l'attribution d'un contrat pour les services de collecte de matière recyclable en conteneurs chargement avant et la collecte de matière en conteneurs transrouliers, lot 5 et 6, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres le 13 janvier dernier pour une période initiale de 3 ans avec 2 options de renouvellement d'une durée d'une année chacune. L'appel d'offres permet à la Ville d'octroyer le contrat pour l'ensemble des collectes ou par lot. Le prix est basé sur l'entente initiale de 3 ans. Donc, à l'ouverture des soumissions le 11 février dernier toujours, nous avons procédé à l'ouverture de 4 soumissions pour le lot 5 et de 2 soumissions pour le lot 6. Les compagnies soumissionnaires, AGH avait soumissionné pour le lot 5 seulement, GFL avait soumissionné pour le lot 5 et le lot 6, Sanitaire pour le lot 5 seulement, et la compagnie Villeco pour le lot 5 et le lot 6. Le service du greffe ayant analysé les soumissions, l'entreprise Villeco est le plus bas soumissionnaire conforme pour les lots 5 et 6 des services de collecte de matières recyclables en conteneurs chargement avant et la collecte de matières en conteneurs transrouliers pour un montant total de 339 485,92 sous, toutes taxes incluses. Donc, la somme de 339 485,92 sous, toutes taxes incluses nécessaires à l'octroi du contrat pour la collecte. Et le transport des matières résiduelles est disponible au poste budgétaire attitré à enlèvement des ordures et est assujetti à la variation puisque les coûts de la collecte et du transport sont déterminés en fonction des quantités, des prix unitaires et de l'ajustement mensuel du tarif de la collecte et des transports en raison du coût du carburant. Commence à le connaître par cœur. L'entreprise Villeco est le plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 5. Pour un montant de 67 495,31 et le lot 6 pour un montant de 271 990,61, toutes taxes incluses. M. Rousseau recommande donc d'attribuer un contrat de service pour les collectes de matières recyclables en conteneurs chargement avant et la collecte de matières en conteneurs transrouliers lots 5 et 6 à la compagnie Villeco, le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant de 339 485,92, toutes taxes incluses. Recommande aussi une réserve d'une somme de 50 922,89, correspondant à 15 % du montant total de la soumission, soit constituée pour permettre, le cas échéant, des variations et des quantités imprévues. Merci. Quelqu'un pour proposer, appuyez, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Madame Grenier. On y va avec le point 26, attribution d'un contrat pour la fourniture de béton 2022. Monsieur Harley. Toujours un rapport au conseil de M. Guillaume Savard. En prévision de l'octroi d'un contrat pour la fourniture de béton pour l'année 2022, le service des travaux publics a procédé à l'appel d'offres sur invitation à 4 entreprises de la région le 25 février dernier. Prévoyons au cours de la saison 2022 d'utiliser les mêmes quantités que 2021, soit approximativement 170 mètres cubes de béton pour nos travaux de réfection des bordures de rues, trottoirs et autres. À l'ouverture des soumissions, le 15 mars 2022, nous avons procédé à l'ouverture de 2 soumissionnaires reçus,
soit Unibéton Ciment Québec Inc., Demix Béton, une division du groupe CRH Canada Inc. Le service de greffe ayant procédé à l'analyse des soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Unibéton pour un montant total de 36 508 et 1 sou, toute taxe incluse. Donc, la somme de 36 508 et 1 sou, toute taxe incluse, nécessaire à l'octroi du contrat de la fourniture de béton pour l'année 2022, sera disponible au poste budgétaire 02-320-00626, chaîne de rue. Il est à noter que l'achat est sujet à variation puisque le coût total est déterminé en fonction des quantités utilisées pour chacun des items prévus au bordereau et selon le prix unitaire. M. Savard recommande donc au Conseil d'attribuer la somme pour la fourniture de béton pour l'année 2022 à l'entreprise Unibéton, le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 36 508 et 1 sou, toute taxe incluse et selon les prix unitaires prévus au bordereau de soumission. Il recommande aussi une réserve d'une somme de 5 476 et 20, correspondant à 15 % du montant total des soumissions constituées pour permettre le coefficient des variations de quantité imprévues. Il recommande aussi d'autoriser le service de la trésorerie à procéder au transfert budgétaire un montant de 11 940 et 68 du poste 02-330-00-620 achat matières premières sable et sel au poste 02-320-00-626 chaîne de rue. Merci. Quelqu'un pour proposer appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Guérard. J'appuie. Madame Lorrain. On continue avec le point 27, attribution d'un contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour l'année 2022. Toujours un rapport de M. Guillaume Savard en prévision de l'octroi du contrat pour la fourniture de béton bitumineux pour l'année 2022. Le service des travaux publics a fait parvenir une demande de soumission sur invitation à trois entreprises de la région le 25 février dernier. Donc, cette année, on prévoit, au cours de la saison 2022, utiliser 1020 tonnes métriques d'enrobés bitumineux pour nos travaux de réfection de rue. À l'ouverture, à la suite de l'appel d'offres sur invitation, les deux entreprises suivantes ont déposé leur soumission, soit Pavage UCP Inc. et Asphalt Lagacé Limité. Le service des greffes ayant analysé les soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Pavage UCP pour un montant total de 85 302,83 toutes taxes incluses pour l'année 2022. Ce montant budgétaire sera pris dans le poste budgétaire 02-320-00-625, achat matières premières, asphalte et gravier. C'est à noter que l'achat est aussi sujet à variation puisque le coût total est déterminé en fonction des quantités utilisées pour chacun des items prévus au bordereau, les prix unitaires et l'ajustement de ces derniers en raison du prix du bitume. Les transferts budgétaires pourront être nécessaires au courant de l'année, dépendant des quantités utilisées. À ce moment, ces transferts se feront à l'intérieur des budgets des travaux publics. M. Savard donc recommande d'attribuer le contrat pour la fourniture des bétons bitumineux pour l'année 2022 à l'entreprise Pavage UCP, le plus bas soumissionnaire. Et il propose et recommande une réserve d'une somme de 12 795 et 42, correspondant à 15 % du montant total des soumissions, soit constitué pour permettre les coefficients, les variations des quantités prévues. Merci. Quelqu'un proposer peut appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Lorrain. J'appuie. Madame Grenier. On y va maintenant. Alors, je ne sais pas, le point 28, attribution d'un contrat pour la vidange de Puisard de rue. Et taux horaire pour camion vacuum 2022-2023. Donc, un rapport au conseil de M. Mustone en prévision de l'octroi d'un contrat pour la vidange de Puisard de rue et taux horaire pour un camion vacuum. Le service des travaux publics a fait parvenir une demande de soumission sur invitation à trois entreprises de la région lors de l'ouverture des soumissions le 15 mars 2022. Nous avons procédé à l'ouverture de deux soumissions reçues, soit celle de Sani Orléans Inc. et Ortec Environnement Service Inc. Le service du greffe ayant analysé les soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Sani Orléans Inc. pour un montant total de 63 654,47, toutes taxes incluses. La somme de 24 907,90, toutes taxes incluses, nécessaire à l'octroi du contrat pour les vidanges de Puisard de rue sera prise au poste budgétaire 02-410-00-445, nettoyage de Puisard. Et la somme de 38 746,57, toute taxe incluse nécessaire à l'octroi du contrat pour les taux horaires pour le camion vacuum, sera prise au poste budgétaire 02-410-00-515, location de camion, machinerie, égout.
puisque le nettoyage du puiseur et l'allocation du camion vacuum est un sujet à variation, des transferts budgétaires pourraient être nécessaires. Si c'est le cas, il y aurait transferts budgétaires à l'intérieur des budgets des travaux publics. Tu as noté également que l'implication financière touche les années 2022 et 2023. M. Mustone recommande au Conseil donc d'octroyer le contrat pour les vidanges de puiseurs de rue et taux horaire pour le camion à vacuum à l'entreprise Sany Orléans, le plus bas soumissionnaire conforme, de 63 654,47 toutes taxes incluses. Et recommande aussi une réserve d'une somme de 9 548,17 correspondant à 15 % du montant total des soumissions, ce qui soit constitué pour mettre le cas échéant les variations de quantité imprévues. Merci. Quelqu'un pour proposer et appuyer? Madame Ossio. J'appuie. Monsieur Guérard. On y va avec le point 29, attribution d'un contrat pour la fourniture de matériaux granulaires et disposition d'enrobés bitumineux et de béton pour l'année 2022-2023. Pour un rapport de Monsieur Armstrong, en prévision de l'attribution du contrat pour la fourniture de matières granulaires et disposition d'enrobés bitumineux et de béton pour une période de 2 ans, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres sur invitation à 3 entreprises de la région le 25 février dernier. Prévoyons au cours des 2 prochaines années utiliser 1 800 tonnes métriques de différents matériaux granulaires et disposer d'environ 1 000 tonnes métriques de rebuts d'enrobés bitumineux et de béton. Donc, à la suite de l'appel d'offres sur invitation, 2 entreprises ont déposé leur soumission, soit Carrière Québec Inc. et Carrière Union Limitée. Le service de greffe ayant analysé les soumissions, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Carrière Québec Inc. pour un montant total de 72 198,55 toutes taxes incluses pour la période de 2 ans. Les différents matériaux demandés sont relativement les mêmes que l'an dernier, une variation de plus ou moins 10 % selon les items. La somme de 52 365,36 toutes taxes incluses pour 2 ans nécessaires à l'octroi du contrat pour la fourniture de matériaux granulaires est disponible au poste budgétaire 02 320 00625 achat de matières premières, asphalte et graphier et est assujetti à une variation puisque le coût total est déterminé en fonction des quantités utilisées pour chacun des items prévus au bordereau et des hauts prix unitaires. La somme qui complète, donc une somme de 19 833,19 toutes taxes incluses pour 2 ans, nécessaire à l'octroi du contrat pour la disposition des rebuts d'enrobés bitumineux et de béton, est disponible au poste budgétaire 02 420 11 446, disposition de matière, asphalte, terre et béton. Donc, M. Muston recommande d'octroyer le contrat aux fournisseurs de matière granulaire et de disposition d'enrobés bitumineux et de béton pour une période de 2 ans à l'entreprise Carrière Inc., Carrière Québec Inc., le plus bas soumissionnaire, au coût de 72 198,55 toutes taxes incluses. Il recommande aussi une réserve de 10 829,78 correspondant à 15 % du montant total de la soumission, soit constitué pour permettre, le cas échéant, des variations dans les quantités imprévues. Merci. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Lorrain. J'appuie. Madame Grenier. On y va maintenant avec le point suivant. Attribution d'un contrat pour l'entretien des espaces verts pour l'année 2022. Donc, un rapport de M. Guillaume Savard en prévision de l'attribution d'un contrat pour l'entretien des espaces verts pour l'année 2022. Le service des travaux publics a procédé aux appels d'offres sur invitation à 4 entreprises de la région le 9 mars dernier. À l'ouverture des soumissions le 18 mars dernier, nous avons procédé à l'ouverture de 2 soumissions reçues, une par Éco-Verdure, division Vaporisation Québec Inc. et Bionaissance Inc. À la suite de l'analyse par le greffe, service du greffe, le soumissionnaire conforme est l'entreprise Éco-Verdure Division Vaporisation Québec Inc. pour un montant total de 22 983,89 toutes taxes incluses. La somme de 22 983,89 toutes taxes incluses nécessaires à l'octroi du contrat pour l'entretien des espaces verts est disponible au poste budgétaire 02 711 50629 embellissement municipal. M. Savard recommande donc d'octroyer le contrat pour l'entretien des espaces verts de 2022 à l'entreprise Éco-Verdure Division Vaporisation Québec Inc. et recommande aussi d'autoriser une réserve de 15 % au montant de 3 447,58 afin de permettre le cas échéant des variations. Parfait. Quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Monsieur Guérard, on y va. Point 31. Alors, attribution d'un contrat pour la fourniture de matériel d'éclairage urbain.
Un rapport de M. Louis-Philippe Lafleur en prévision de l'acquisition de fournitures de matériel d'éclairage urbain, principalement des poteaux de béton. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres le 4 mars dernier, lors de l'ouverture des soumissions le 21 mars 2022. Nous avons procédé à l'ouverture de 4 soumissions reçues par les compagnies suivantes. Lumen, division de Sonopas Canada Inc., Guy Vin International Compagnie, Wesco Distribution Canada, Dubo Electric Limité. À la suite de l'analyse du service de greffe, le plus bas soumissionnaire conforme est l'entreprise Lumen, division de Sonopas Canada, pour un montant total de 152 838,22. La somme de 139 561,67 taxes nettes nécessaires à l'octroi du contrat pour la fourniture de matériel d'éclairage urbain est disponible au poste des immobilisations à même les revenus. Donc, M. Lafleur recommande d'octroyer le contrat de fourniture de matériel d'éclairage urbain à l'entreprise Lumen Division de Sonopas Inc. Il recommande aussi une réserve d'une somme de 22 925,73 correspondant à 15 % du montant total de la soumission soit constitué pour permettre, le cas échéant, des demandes de travaux supplémentaires au cas où des possibles imprévus pouvant être rencontrés dans le cadre de projet. Recommande aussi d'autoriser le financement sous prix à même le budget de fonctionnement au poste des immobilisations, à même les revenus. Parfait. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer l'attribution du contrat pour la fourniture de matériel d'éclairage urbain. Je propose. Madame Grenier. J'appuie. Monsieur Guérard, on y va, hein? C'est vraiment la période où c'est qu'on a beaucoup de contrats à donner, évidemment, pour la période estivale. Je pense que bon an, mal an, le mois de mars, c'est toujours le mois où est-ce qu'on y va. Alors, je vous ai donné quelques secondes pour reprendre votre souffle, monsieur Hallé. Donc, je vous renvoie la balle pour le point 35. Mon initiation. Rapport au... Le point 32, pardon. Ben oui, je t'ai rendu là. Bon, ça lui donne plus de temps. Ça lui donne plus de temps pour prendre son souffle. Ça me confirme que vous suivez dans la salle. Fait que tout est correct. OK. Alors, on y va. Alors, tout le monde est là. Tout le monde est réveillé. Alors, vous avez repris votre souffle. Les gens dans la salle suivent. Puis moi, ben, je suis ramené à l'ordre. Parfait. On y va avec le point 32. Donc, un rapport au conseil de maître Marie-Hélène Leblanc-Bourque concernant le renouvellement du contrat d'entretien ménager à l'Aquagym Élise Marcotte. Donc, le 29 janvier 2019, le conseil municipal attribuait par sa résolution 25-19 un contrat pour l'entretien ménager de l'Aquagym à la société GRH Entretien Inc. pour une durée de 3 ans au montant de 482 032,41 $. Le contrat prévoyait également la possibilité pour la Ville de renouveler le contrat pour 2 années additionnelles, soit 169 673 $ pour la première année et 174 688,78 $ pour la deuxième année, pour un total de 344 289,51 $, taxes incluses. La résolution de 2019, bien qu'elle attribuait le contrat uniquement pour une durée de 3 ans, autorisait déjà la dépense pour l'ensemble des 5 années potentielles du contrat. Le contrat initialement d'une durée de 3 ans se terminait le 4 avril 2022. Aucun délai ni préavis de renouvellement n'est spécifié à l'entente initiale, donc le conseil peut ainsi décider à son gré de ne pas renouveler le contrat ou de renouveler pour 1 ou 2 années. Étant donné que le prix était négocié avant la pandémie, le directeur général et le directeur des services des loisirs recommandent le renouvellement du contrat pour une durée d'1 année. La somme du renouvellement au montant de 169 673 $ taxes incluses est disponible au poste d'entretien ménager de l'Aquagym. Donc, Maître Leblanc-Bourque recommande d'attribuer le contrat de gré à gré pour les services d'entretien ménager à la société GRH Entretien Inc. pour un montant de 147 510,96 $ toutes taxes incluses. De plus, une réserve au montant de 22 126,64 $ correspond à 15 % du montant total de la soumission et constitué pour permettre, en cas échéant, les possibles imprévus pouvant être rencontrés dans le cadre des services d'entretien ménager de l'Aquagym Élise Marcotte. Merci. Quelqu'un pour proposer le renouvellement de contrat d'entretien ménager à l'Aquagym Élise Marcotte. Madame Ossieux. J'appuie. Madame Lorrain. On y va maintenant avec le point 33. Autorisation de paiement à Gradeur Pro Inc. pour la réparation de la niveleuse Volvo 2006.
Un rapport de notre directeur général par intérim, M. Philippe Millette. Donc, le 7 janvier 2022, le conseil municipal attribue un contrat, résolution 2-22, à la société Graders Pro afin d'installer sur la niveleuse une transmission reconditionnée avec une garantie d'un an pour un montant de 46 465,02, toute taxe incluse. Cette résolution autorisait également une réserve de 9 293 pour des réparations supplémentaires de cet équipement. Lors de la réparation, plusieurs pièces très endommagées ont dû être remplacées, celles-ci n'étant pas prévues dans la soumission. Donc, un montant de 3 034,52. Taxe incluse devra être majorée du montant initial autorisé de 55 758,02, ce qui totalise un montant total de 58 792,54. Donc, M. Millette recommande d'autoriser le service de la trésorerie à effectuer le paiement à Graders Pro Inc. On en avait déjà parlé au niveau du conseil municipal. On a changé la transmission de cet appareil-là. Un grader, une niveleuse Volvo se vend quoi? Un demi-million? Entre 400 000 et un demi-million. Donc, si on est capable de l'étirer une couple d'années, on va être bien heureux avec cette réparation-là. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Guérard. J'appuie. Madame Grenier. On y va maintenant avec le point 34. Alors, adhésion au regroupement d'achat de pneus UMQ-CAG. Un dernier rapport de M. Dave Emmerstone concernant l'adhésion au regroupement des pneus UMQ et CAG. Donc, l'Union des municipalités du Québec offre la possibilité aux municipalités d'adhérer au regroupement d'achat pour des pneus sur une période de 3 ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Les municipalités adhérentes confient la responsabilité au Centre d'acquisition gouvernementale, CAG, par l'entremise de l'Union des municipalités du Québec, UMQ, de préparer les documents nécessaires à l'adjudication d'un contrat d'achat regroupé des différents types de pneus nécessaires aux activités des municipalités. Donc, l'adhésion à ce regroupement nous permet de bénéficier d'un plus grand pouvoir d'achat et de bénéficier de prix avantageux en raison du très grand nombre de participants. En contrepartie, la Ville reconnaît que la CAG percevra directement auprès des fournisseurs adjudicataires des frais de gestion établis à 1 %, 6 % versés au CAG et 0,6 % versés au CAG et 0,4 % à l'UMQ. Donc, ces frais sont inclus dans le prix de vente des pneus. Donc, l'implication financière, c'est une somme approximative de 31 468,66, toute taxe incluse, nécessaire à l'acquisition de pneus et disponible au poste budgétaire pièces et accessoires, machinerie et véhicules, et répartie comme suit pour les budgets. Donc, le budget 2022, on parle de 9 255,49 pour 9 mois. Le budget 2023, on parle de 8 197,72 pour 12 mois. Le budget 2024 de 10 577,70 pour les 12 mois et en 2025 pour 3 mois de 3 437,75. Donc, cette somme est sujette à des variations en raison de la qualité des pneus qui sera utilisée par notre service et aussi selon le résultat d'appel d'offres sous la responsabilité du CAG par l'entremise de l'UMQ. Vous voulez dire la quantité des pneus? J'ai entendu la qualité. Ouais, excusez-moi, effectivement, la quantité et non la qualité. Il y a des lettres qui apparaissent comme ça. Donc, M. Mustone recommande au conseil d'adopter la résolution confiant au CAG par l'entremise de l'UMQ la préparation au nom de la Ville d'Ancienne-Lorette des documents nécessaires à l'adjudication. Je vais me pratiquer la prochaine fois ce mot-là. D'un contrat d'achat regroupé des différents types de pneus pour une période de 3 ans, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Donc, il recommande d'autoriser des acquisitions au montant de 31 468,66 et d'autoriser une réserve de 15 % au montant de 4 720,30 afin de permettre les cas échéants des variations. Parfait. Oui, c'est une... vous savez, d'être membre de l'Union des municipalités du Québec nous procure plusieurs avantages, dont celui-ci de regroupement d'achat, qui nous amène quand même des réductions significatives au niveau de nos achats. Donc, c'est important, on le sait, je le dis et je le répète souvent, il n'y a pas de petites économies. Donc, à tous les endroits où c'est qu'on peut faire de l'économie, bien, on le fait. Donc, dans des regroupements comme celui-ci avec l'UMQ,
puis avec le côté de nos contremaîtres qui s'assurent de faire une bonne gestion de nos ressources immobilières au niveau de nos pièces, tout ça, bien, on réussit à faire des économies substantielles d'année après année. Donc, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît, pour l'adhésion au regroupement d'achat de pneus, Mme Ossio. J'appuie. Pardon? J'appuie. Alors, M. Allais, parfait. Bien, écoutez, je vais vous aider un peu. Je vais faire un moment. À moins que vous voulez continuer, M. Allais, mais je vais prendre le relais. Merci. On savait que c'était plusieurs points, là. Puis, donc, vous avez été gâté ce soir. Vous nous l'avez demandé, ça fait que vous l'avez eu. Donc, alors, on y va maintenant avec le point 35, l'attribution de contrat des services professionnels pour l'aménagement de la place de l'Église à une firme d'architectes paysagers. On en a parlé tout à l'heure au niveau de l'aménagement que l'on veut faire dans le cadre de la réfection de la rue Notre-Dame, de la phase 2. On projette aussi de faire la réfection de la place de l'Église. Dans le cadre de la préparation de ce projet de réfection, bien, on doit évidemment là, mandater une firme d'architectes paysagistes afin d'élaborer un concept architectural paysager. Donc, le mandat consiste à élaborer en partenariat avec la firme d'ingénieurs un concept d'aménagement d'ensemble, une estimation des coûts et les plans et devis nécessaires à l'appel d'offres pour la construction. Donc, en ce qui concerne la préparation et la réalisation de la phase 2 de la rue Notre-Dame, la firme d'architectes Option Aménagement avait été mandatée pour concevoir cette phase. Donc, cette firme spécialisée en design urbain nous propose une offre professionnelle pour la réalisation de la place d'Église afin de continuer le travail entamé et la vision d'ensemble du réaménagement. La firme nous propose un montant forfaitaire comprenant les honoraires professionnels et dépenses au montant de 57 257,55. C'est la même firme qui avait fait la phase 2 de la rue Notre-Dame, qui est très, très belle. On engage aussi pour la phase 3, mais en même temps, pour la phase au niveau de l'Église, de l'aménagement paysager, qui vont travailler avec nos ingénieurs qu'on va mandater dans le point suivant. Donc, conformément aux dispositions du règlement de gestion contractuelle de la Ville de l'Ancienne-Lorette, le service des travaux publics juge opportun que la Ville accorde à la firme Option Aménagement un contrat de gré à gré pour les services professionnels du projet d'aménagement de la place d'Église. Vous comprenez le pourquoi. C'est eux autres qui ont travaillé tout l'ensemble jusqu'à présent, donc on veut continuer dans le même concept. L'implication financière, comme je viens de le mentionner, est de 57 257,57 plus taxes. Et évidemment, comme à l'habitude, une réserve de 15 % qui est réservée de 8 588,63. Donc, la recommandation de M. André Rousseau à cet effet, pour les mêmes montants que j'ai mentionnés, d'octroyer le contrat à option aménagement pour 57 257,55, ajoutant aussi une réserve de 8 588,63, correspondant à 15 % des montants. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Madame Grenier et Madame qui l'a dit des deux? J'appuie. Madame Lorrain. On y va maintenant avec le point 36 qui est en lien avec le point 35. Donc, c'est l'attribution d'un contrat de service professionnel pour l'aménagement de la place d'Église. Exactement le même préambule que j'ai donné au niveau de l'exposé de la situation. Donc, le concept et la surveillance des travaux de la phase 2 de la rue Notre-Dame a été réalisé par la firme Pluritech en 2021. Lors de cette conception, la firme Pluritech avait prévu des travaux préparatoires pour la réfection de la place d'Église. Évidemment qu'on avait prévu le coût pour cette année pour faire ça en se disant « si on va de l'avant ». Et vous comprenez qu'il y a une partie de la rue Notre-Dame qui est faite là. Et quand on a travaillé avec Pluritech dans le passé, on s'était dit, on ne veut pas aller jouer dans la rue si on travaille après ça sur la place d'Église. Donc, tous les travaux ont été faits préparatoires au niveau de la rue l'année dernière pour ne pas qu'on soit obligé de recreuser dans la rue. Ça va se faire de l'autre côté du trottoir, du côté du terrain. Donc, l'offre professionnelle, la firme spécialisée en ingénierie nous propose une offre professionnelle pour la réalisation de la place d'Église. Afin de continuer le travail entamé en 2021, donc la firme nous propose un montant forfaitaire comprenant les honoraires professionnels et dépenses au montant de 18 581, conformément au dispos du règlement de gestion contractuelle. C'est la même chose au niveau du gré à gré que l'on fait avec ce contrat-là. Donc, les sommes disponibles sont disponibles aux postes, aux immobilisations nécessaires à cette dépense-là, 18 581,11, ajoutant une réserve de 2 787,17. Donc, la recommandation de M. André Rousseau est d'octroyer au montant que je viens de mentionner à la firme Pluritech pour l'aménagement de la place d'Église, les services professionnels en ingénierie. Donc, quelqu'un pour proposer, appuyer, s'il vous plaît. Propose. M. Allais.
J'appuie. Et Mme Grenier. On y va maintenant avec les points de trésorerie. Donc, on y va avec l'approbation des comptes à payer. Chers membres du Conseil, avez-vous pris connaissance des comptes à payer? Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions dans les rencontres préalables à cette séance du Conseil? C'est conforme pour moi. Tout est beau? Parfait. Merci. Donc, on s'en prend quelqu'un pour proposer et appuyer les comptes à payer, s'il vous plaît. Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et M. Guérard. On y va maintenant avec le point 37, dépôt des activités du rapport de la trésorerie. Pardon? 38, j'ai dit quoi? 37? Bon, Yann, je vais prendre un petit peu d'eau. On va se ralentir un petit peu. Alors, dépôt, le point 38, dépôt du rapport d'activité de la trésorerie, exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2021. Au chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Madame Marceau, on vous laisse en faire la présentation. Donc, effectivement, à chaque année, on doit déposer, selon la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, un dépôt sur toutes les activités qu'il y a eu avec les élections entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice précédent, donc 2021. Donc, ici, le rapport vient présenter le parti politique qui a été autorisé durant le 21 septembre, qui est Fierté Lorettaine Gaétan Pajot. On vient présenter aussi tous les candidats qui se sont présentés aux élections le 7 novembre 2021, ainsi que tous les candidats qui se sont présentés le 13 décembre 2020. Ici, on les présente dans ce rapport-ci parce que j'ai d'autres rapports pour ces élections-là que je dois présenter. Dans le rapport ici, qui est les rapports soit de production, de rapports financiers des dépenses électorales ou les rapports de dépenses même électorales pendant la période des élections. Hein. Donc, et puis on vient présenter également les montants qui ont été payés à même le Fonds général pour les dépenses électorales, bien entendu, les limites permises selon la loi. Donc, ici, pour l'exercice 2021, il y a un montant de 6 245,86 qui a été pris à même le Fonds général pour rembourser les dépenses électorales de trois candidats pour les élections du 13 décembre 2020. Hein? Donc, c'est un dépôt, Monsieur le maire. Parfait. Merci pour ce dépôt. On a eu des élections le 13 décembre 2020 et le 7 novembre 2021. C'est les deux élections qu'il y a eu. Exactement. Donc, l'élection à 2020 à la mairie, ce que je comprends, puis l'élection générale 2021. Oui, exact. Donc, c'est un rapport des deux élections que vous nous déposez. C'est bien ça? C'est bien parfait. Ça répond à votre question? Merci. Donc, c'est un dépôt de rapport. Donc, merci pour le point 38. On y va maintenant avec le point 39. C'est une autorisation de paiement de la quote-part 2022 de la Communauté métropolitaine de Québec. Quand on parle de quote-part, souvent on l'associe à la quote-part de l'agglomération, mais on a aussi une quote-part de la Communauté métropolitaine de Québec. Comme vous le savez, cette année, à notre demande, la ville de l'Ancienne Lorette est représentée sur la Communauté métropolitaine de Québec, où j'y siège comme représentant depuis la dernière élection. Habituellement, dans les mandats antérieurs, le siège à la Communauté métropolitaine de Québec était réparti entre, pendant un mandat, la ville de Saint-Augustin, pendant l'autre mandat, la ville de l'Ancienne Lorette, ce qui était, à mon avis, tout à fait inconcevable que nous ne soyons pas présents à cet endroit-là. À chaque année, on payait notre quote-part. Donc, cette année, suite à notre demande, puis à l'ouverture des collègues de Québec, donc Saint-Augustin est représenté sur la Communauté métropolitaine de Québec. Donc, on a une quote-part, évidemment, à payer comme à chaque année. La ville de l'Ancienne Lorette doit verser cette quote-part annuelle à la CM Québec, qui est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe les 28 municipalités et plus de 820 000 personnes. Ça regroupe évidemment tout le côté de la Rive-Sud, Lévis, Lac-Beauport et ainsi de suite, toute la couronne nord aussi de l'agglomération de Québec. Ces champs d'intervention s'orientent particulièrement en aménagement du territoire, en environnement, en transport métropolitain et en gestion des matières résiduelles. Donc, le 23 février 2022, la CMQ transmet à la Ville une facture pour le paiement de la quote-part. Le montant payable
pour l'exercice financier 2022 a été établi à 90 806 $. Donc, à titre indicatif, comparativement à la cote-part 2021, c'est élevé à 86 780 $. Donc, on a un 4 000 $ de différence. Et ensuite de ça, le versement est payable en trois versements. La cote-part est en trois versements. Un au 1er avril, un au 1er juillet, puis un autre au 1er octobre. Donc, le montant dû de 90 806 pour l'année sera pris au budget de fonctionnement, évidemment, prévu à cet effet. Donc, on a une recommandation de Mme Marceau d'autoriser ce paiement à la communauté métropolitaine de Québec. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Alors, Mme Lorrain. J'appuie. M. Hallé. On y va maintenant avec le point 40, attribution d'un contrat pour la location de 4 imprimantes multifonctionnelles, d'un rapport de Mme Marceau. Donc, le 27 octobre 2020, la résolution 273-20 a été adoptée afin que le service de trésorerie effectue une demande auprès du Centre d'acquisition gouvernementale, la CAG, pour adhérer au regroupement de location d'imprimantes multifonctionnelles et des coûts de service. Cette période, les demandes de location auprès de la CAG pouvaient débuter au 1er avril 2021. En janvier 2021, un conseiller du... On dit-tu le GAG? Le CAG? Comment est-ce qu'il s'appelle, eux autres, à cette heure? C'était le centre partagé, hein, mais... Centre d'acquisition gouvernementale. Donc, a informé le service de la trésorerie qu'il aurait des délais supplémentaires afin d'octroyer les contrats et que les demandes de location ne commenceraient qu'après le 1er juillet 2021. Finalement, le 18 novembre 2021, le service de trésorerie a reçu un avis nous informant qu'à la suite de l'ouverture des soumissions et analyses de celles-ci, plusieurs problèmes ont été constatés par le centre et en est venu à la conclusion qu'il valait mieux de ne pas adhérer à ce contrat puisqu'il résultait en plusieurs désagréments pour leurs clients. Le CAC a donc annulé l'appel d'offres et doit remettre en place son processus d'appel d'offres. Des délais supplémentaires et plusieurs mois sont prévus. Puisque les délais avec le centre sont très longs et que les contrats sont échus depuis 2020, il y a lieu d'attribuer des contrats directement avec les fournisseurs. Le service de la trésorerie a fait parvenir une demande de soumission à Toshiba Xerox pour deux imprimantes multifonctions couleur, deux imprimantes multifonctions monochrome. Donc, l'estimation des coûts sur 5 ans pour chacune des propositions. Donc, le coût mensuel est de 121 $ pour la Toshiba, 96,54 pour le... Je vais vous passer le détail, là, mais total des coûts sur 5 ans, incluant avant les taxes, 48 784 pour une première multifonction et une deuxième multifonction de 47 359,80. Même chose pour les multifonctions monochrome, le coût total sur 5 ans, 6 500 ou 6 102. Évidemment que ça comprend aussi tous les services, hein, le service de réparation d'imprimantes, tout ça. Des fois, on se pose la question, ce serait peut-être mieux d'en acheter une, mais tu sais, quand il faut que ça marche, il faut que ça marche, là. Donc on a le service 24 heures avec eux autres pour la réparation de toutes les imprimantes. Après l'analyse des soumissions et des caractéristiques de chacune des imprimantes, il y a lieu d'attribuer le contrat à Xerox au montant de 61 468,16. Donc, c'est le total pour les 4 imprimantes, les 2 monochromes et les 2 couleurs. Donc, le coût des locations sont fixes et le coût des services sont en fonction du nombre de copies selon les impressions en noir ou en couleur. L'estimation pour la location des 4 imprimantes est évaluée à 61 468,16. Pour les 5 prochaines années, il est important de noter que ces coûts sont sujets à des variations. Donc, on recommande de donner le contrat à la compagnie Xerox pour le montant de 61 468,16 et une réserve qui s'ajoute à ça de 9 220,22 correspond à 15 % du montant. Donc, quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Alors, M. Guérard? J'appuie. Alors, Mme Grenier. On y va maintenant avec le point 41, autorisation de transférer de l'excédent de fonctionnement non affecté à l'excédent de fonctionnement affecté en lien avec les revenus de subvention du programme TEC, projet d'agglomération pour le paiement des cotes-parts futures des villes. Je vais vous le résumer rapidement, puis scientifiquement, Mme Marceau va venir vous donner les termes scientifiques de tout ça. On reçoit, on reçoit la TEC, donc une subvention, qui est autant appliquée au niveau de la ville de l'ancienne Lorette que de l'agglomération. Cette subvention-là totalise 4 083 966 $ pour ces 3 ans? 3 ans, 4 ans? 5 ans, pour 5 ans. Donc, ces montants-là, nous, on les utilise
à certains effets pour de la réparation, comme là, on va en prendre une partie cette année pour la réfection de rue. Mais il y a une partie de ces montants-là qu'on doit reverser à l'agglomération de Québec parce que la TEC est aussi assujettie aux travaux qui sont faits à l'agglomération puis qu'on paie nos montants à partir de cette subvention-là que l'on reçoit. Donc, nous, pour être prévoyants et s'assurer d'avoir toujours l'argent dans nos coffres, on prend déjà le montant qu'on s'attend d'avoir en demande de la Ville de Québec et on le met dans une réserve financière. Ça totalise autour de quoi? C'est 2 millions, c'est ça. Donc, les projets de proximité totalisent 2 054 998 et les projets d'agglomération, 2 028 978. Donc, ce 2 millions-là, il est mis en réserve pour ne pas faire que dans 2, 3, 4 ans ou 5 ans qu'on vienne vous dire « Ah, l'agglomération nous a augmenté parce qu'il faut qu'on paye 2 millions ». Bien, on le sait déjà, on reçoit une subvention. Donc, on est prévoyant, mais on veut faire une saine gestion, on le met de côté, puis quand la facture d'agglomération nous arrive, alors là, on les paie avec cet argent-là, puis durant ce temps-là, bien, on fait fructifier notre argent de notre côté. Donc, c'est une façon responsable de gérer, que j'appelle. Donc, ce que l'on nous demande à ce moment-là, c'est de transférer ces argents-là au bon poste budgétaire. Est-ce que j'ai bien résumé ça? Merci, madame. Vous m'avez bien coaché 5 minutes avant séance. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? Je propose. Monsieur Hallé. J'appuie. Et madame Grenier. On avait quand même une réunion assez costaude ce soir. On y va maintenant avec le dépôt du rapport d'audit de conformité, le point 42, produit de la commission de conformité, produit par la Commission municipale du Québec, portant sur la transmission des rapports financiers au ministère des Affaires municipales du Québec. En gros, on a eu 100% sur notre bulletin. Puis ça, on veut dire toutes nos félicitations au service de la Trésorerie qui ont travaillé fort là-dessus. L'ensemble des villes du Québec doivent déposer des rapports financiers au ministère des Affaires municipales. Et nous, au niveau des les rapports que la CMQ a vérifié que les rapports financiers ont été préparés et déposés MMH conformément aux délais prévus dans l'encadrement légal applicable pour chacun des exercices financiers de 2016 à 2021. Le résultat, c'est que pour les exercices financiers audités par la CMQ, la Ville de l'Ancienne Norette s'est conformée aux exigences légales portant sur le délai de transmission des rapports financiers. Donc, on a eu 100% sur notre bulletin. En comparaison statistique, en moyenne, 36% des municipalités locales et 46% des MRC ne sont pas conformes aux exigences légales. Donc, toutes nos félicitations à vous et votre équipe, Mme Marceau, pour ce rapport. Et le rapport d'audit est produit à la suite de cette vérification doit être déposé en séance du Conseil conformément aux directives de la CMQ. Donc, le rapport est déposé, il devient public à partir de maintenant. Donc, c'est un dépôt de rapport de Mme Marceau. Donc, on y va maintenant. On travaille, Mme Marceau. Oui, hein. Tout à fait. Donc, on y va maintenant. Je vais aller avec mon autre page. On a eu le dépôt du rapport. On est rendu maintenant dans le point 43, le divers. Donc, on a des discussions avec le club de tennis depuis que je suis arrivé à la mairie. M. Louis, ça fait quoi? Ça fait un an qu'on s'est parlé de ça, à peu près. Donc, pour améliorer le système d'éclairage des terrains de tennis à l'ancienne Norette, comme vous savez, on a un club de tennis très actif et très performant, et on veut s'assurer de donner des terrains performants aussi pour les gens. Donc, des travaux de mise à jour du système d'éclairage des terrains des tennis 1 à 4 sont nécessaires afin d'optimiser les coûts énergétiques en remplaçant les lampes actuelles par les lampes DEL. Mais pas juste pour les coûts énergétiques. Quand les gens jouent au tennis, puis souvent c'est le soir, durant la période estivale, actuellement, on a des zones très ombragées. Il y a du danger de se blesser, puis il y a du danger en même temps. Puis on veut s'assurer de pouvoir accueillir des tournois intéressants à l'ancienne Norette au niveau de tennis. On a des Lorettins qui performent sur toute la planète. Donc, c'est important de mettre de l'accent sur ce sport. Donc, cette modification permettra d'améliorer l'uniformité et l'intensité des éclairages. De plus, cette mise à niveau permettra au club de tennis de l'ancienne Norette de se qualifier pour l'organisation de tournois provinciaux. Un appel d'offres sur invitation a été diffusé le 21 mars à 5 entrepreneurs qualifiés recommandés
par la firme d'ingénieurs Pluritech et nous avons ouvert les soumissions le 28 mars dernier. Trois entreprises ont déposé des soumissions. Il est important aussi de mentionner que le club de tennis s'est engagé à payer 50 % des coûts. Actuellement, dans le plus bas soumissionnaire, la somme de 86 669,36 est nécessaire à l'octroi du contrat, disponible aux immobilisations et même les revenus pour le budget de fonctionnement. Et la firme qui a remporté, c'est Électricité André Langevin, au montant de 86 869,36. Ce que j'en comprends, c'est que les travaux vont être effectués avant le début de la saison de tennis. Hein. C'est le but de le faire ce soir, là. Donc, à l'issue de la vérification de la conformité administrative par le service du greffe et la vérification technique de la firme Pluritech, nous recommandons l'attribution de ce contrat à la firme d'électricité André Langevin Inc. au montant de 86 869,36 avec une réserve de 15 % de 13 030 $. Donc, l'autorisation, la recommandation nous vient de notre directeur des loisirs, M. Martin Blais. Donc, ça va nous prendre quelqu'un pour proposer et appuyer, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Grenier. Et j'appuie. Et Mme Lorrain. On y va maintenant avec la période de questions et d'interventions des membres du Conseil. Donc, chers membres du Conseil, avez-vous des points que vous aimeriez apporter au point d'information pour nos Lorettaines et Lorettains? Oui, s'il vous plaît. Bon, ça paraît pas, mais le printemps s'en vient. Donc, c'est à nos portes là, bientôt, dans quelques semaines. Puis, la Ville de la Seine-Laurette là, est vraiment au fait de la problématique avec le bruit pour les hélicoptères, puis ce qu'on a vécu l'été dernier avec le 737. Donc, je tiens là, à rappeler qu'on a travaillé très, très fort là, depuis l'élection, depuis le mois de novembre, sur ces deux sujets-là. Puis, dans le fond, vous allez être invités à des séances d'information pour vous dire où on en est rendu dans ces deux dossiers-là. Donc, suivez là, votre courrier ou par Internet. Vous allez avoir là, l'annonce des deux rencontres citoyennes qu'on va faire pour vous tenir informés de l'avancement là, de nos démarches. Parfait. Merci. Donc, effectivement, oui, on a des démarches citoyennes puis des démarches, puis comme vous le dites si bien, là, très bientôt, on va faire des rencontres citoyennes d'information. On a des rencontres préalablement prévues avec l'aéroport de Québec dans les prochains jours à ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Oui, Mme Lorrain? Après ça, on va aller à la période de questions dans la salle. Là. N'hésitez pas, on a la période de questions avant pour les membres du conseil d'intervention, et ensuite de ça, on va aller dans la salle. Merci, M. le maire. Je voulais juste informer les citoyens qu'on a un nouveau programme qui s'en vient à l'été, parce qu'en 2021, il y a eu un recensement des arbres qui sont en devanture des résidences privées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait 20 % des résidences qui n'y avaient pas d'arbres en devanture. Donc, ça représente autour de 1 000 résidences. Donc, le conseil a adopté dans son budget un montant pour augmenter la canopée urbaine parce qu'on va être une ville de plus en plus verte. Alors, on va poser des actions en ce sens. Donc, il y aura un programme de dons d'arbres qui va se faire possiblement autour de l'été. On a mandaté l'équipe d'urbanisme de travailler là-dessus. Donc, vous allez avoir des informations prochainement à cet effet-là. Et toujours dans le domaine de l'arbre, je vous dirais qu'il y a une campagne qui s'appelle « Mon arbre à moi », qui est un programme qui est destiné à permettre à tout enfant qui naît ou qui est adopté au cours de la dernière année de recevoir un petit plan d'arbre qui va grandir avec lui. C'est un programme qui existe au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et je vous invite, ceux qui le souhaitent, de faire votre demande en ligne auprès du ministère. Vous n'avez qu'à chercher « Mon arbre à moi », vous allez tomber facilement dessus. Et c'est pour des enfants qui sont nés ou adoptés entre le 16 avril 2021 et le 15 avril 2022. Donc, vous avez jusqu'au 15 avril 2022 pour déposer votre demande et c'est tout à fait gratuit. Donc, je vous invite à le faire, c'est vraiment intéressant. Et les arbres vont être distribués au mois de mai parce que c'est le mois de l'arbre et des forêts. Donc, le lieu de distribution sera confirmé éventuellement, mais je vous invite à le faire, c'est très intéressant. Merci. Juste terminer les interventions, puis après ça, je vous reviens, M. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Moi, j'en avais encore un autre. Oui, allez-y.
Je vous dirais qu'en tant que nouveau membre du Conseil, nous avons suivi une formation sur l'éthique et la déontologie qui était vraiment fort intéressante, qui était offerte par l'Union des municipalités du Québec et qui tenait à rappeler aux membres du Conseil et à tout membre de Conseil que nous avons des obligations communes. Bien sûr, c'est d'écouter et de représenter les intérêts de la population, ça c'est sûr, mais il y a également d'assurer une administration efficace de la ville. Et ça, ça veut dire d'agir avec prudence, diligence, d'être loyal aussi envers la ville et d'agir avec honnêteté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Autre point aussi, c'est de développer des stratégies et des orientations, de prendre des actions pour le futur de notre ville. Donc c'est vraiment important donc, dans notre mandat. Donc, en tant que membre du Conseil, nous devons bien sûr collaborer, ça c'est sûr, mais nous devons aussi agir et c'est toujours dans le meilleur intérêt de la ville. Alors, je voulais vous en faire part parce que c'est important de le rappeler quand on est membre du Conseil et surtout quand on est nouveau membre du Conseil. Merci. Oui, effectivement, ça a été une belle formation. Là, dans l'ensemble, c'est une nouvelle formation au niveau d'éthique et déontologie. Donc, tous les membres du Conseil l'ont suivi. Puis très constructif en même temps, le travail dans le respect, le travail très constructif pour la communauté. Puis vous le voyez, l'implication des membres du Conseil, il est de tout instant et dans tous les dossiers respectifs que chacun prend. Donc, et je l'apprécie grandement. Merci à chacun et chacune d'entre vous. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions de votre côté? J'en aurais une à faire. Oui. Lors de la dernière séance, un groupe de citoyens de la rue Belleuil est venu nous interpeller là, concernant toute la zone active autour de la polyvalente. Je voulais juste mentionner à ce groupe qui nous écoute ce soir, M. Mongé, qui est dans les estrades, dans l'audience. Donc, depuis, on a profité d'une rencontre avec la direction de la polyvalente pour, leur souligner l'interpellation de nos citoyens par rapport à cette zone active-là. Il y a une deuxième rencontre qui est prévue là, la semaine prochaine avec le centre de service de la commission scolaire pour différents sujets, dont le point de la zone active et le bruit là, autour de la polyvalente. Et que par la suite, on va inviter les gens du secteur pour une consultation publique afin de bien entendre là, vos préoccupations. Mais bien sûr, on va s'installer aussi, on va inviter les gens de la commission scolaire, de la polyvalente et bien sûr de la ville là, pour pouvoir entendre les préoccupations des citoyens et de trouver des solutions ensemble là, pour qu'on puisse vivre ensemble, là, la polyvalente et les gens du secteur de la rue Belleuil ensemble. Tout à fait. Merci. Merci pour ces informations-là. Rapidement, en vrac, moi, ce que je peux vous donner, c'est qu'on va avoir d'autres consultations citoyennes au cours des prochains mois, entre autres au niveau de la réfection de la rue Notre-Dame. C'est des consultations qui sont ciblées, mais pour nous, c'est des formules gagnantes-gagnantes pour tout le monde. Donc, avec la réfection qu'on fait sur la rue Notre-Dame, vous avez remarqué, on a ajouté certaines verdures au coin de certains terrains. Donc, on fait la même procédure pour la dernière section de Notre-Dame, mais on va rencontrer les gens en amont des rénovations pour pouvoir les informer de ça. Ensuite de ça, au niveau de la rivière Lorette, je peux vous dire qu'on a eu une rencontre. Moi, quand je suis arrivé à la mairie, il y a un peu plus d'un an, je m'étais engagé à mettre autour de la même table l'ensemble des intervenants au niveau de la rivière Lorette pour faire avancer le dossier. On a même établi un calendrier qu'on a mis sur le site web de la ville, aller jusqu'à les travaux. Ce calendrier-là a avancé quand même assez bien au cours de la dernière année. Il y a eu un petit peu de retard au niveau du décret qui a été adopté, mais le décret a été adopté quand même à l'automne. On est en discussion là, avec les gens de Québec, là, avec mon homologue de Québec, l'équipe de M. Marchand, puis encore aujourd'hui, on a eu des discussions avec eux. On avait fait l'an passé une rencontre citoyenne pour informer les gens de l'état de la situation et du calendrier des choses à venir. Donc, on a relancé nos gens de Québec. Il y a une ouverture à réorganiser une rencontre cette année avec les citoyens. On n'a pas encore déterminé la date, mais on a une confirmation qu'on a une ouverture de la Ville de Québec. Il y a des choses qui sont en train de se placer et de s'organiser. Donc, pour les gens de tout le secteur de la rivière Lorette, ce qu'on vous dit, c'est que le travail avance. On veut refaire une mise à jour du calendrier, des étapes qui sont à faire. On veut le faire évidemment avec la Ville de Québec. Comme vous le savez, la rivière Lorette, elle est d'agglomération. Donc, on a
oui, des différends sur de certaines choses au niveau de l'agglomération, mais comme on s'est dit lorsqu'on s'est rencontrés, on est capable de se parler pour régler les situations de nos citoyens respectifs parce que les gens de Québec sont aussi touchés que les Lorettins au niveau de la rivière Lorette. Donc, dans les prochains jours, nous, on souhaite fortement que la rencontre se fasse avant la période estivale, donc d'ici la fin du mois de juin. Donc, on vous tiendra informé à ce niveau-là. Ensuite de ça, on avait commencé des consultations pour l'implantation d'un parc à chiens à l'ancienne Lorette. Les gens qui ont été consultés, on va poursuivre ces consultations-là pour avant d'arriver avec une consultation générale citoyenne à ce niveau-là. Donc, déjà, je pense que les gens ont déjà été relancés à ce niveau-là. Et aussi, au niveau d'une consultation, une consultation plus large au niveau de la ville. On a parlé, là, Mme Lorrain vous a parlé de notre préoccupation comme membre du conseil de s'assurer de la pérennité d'une ville, de la pérennité financière, de penser au futur, de penser autant au présent qu'au futur. On a eu des gens qui ont mené notre ville à bout de bras pendant des années. Bien, on est dans le respect de s'assurer que notre ville se poursuive encore des années, puis on doit faire le travail nécessaire à ça. Puis la ville appartient aux citoyens. Donc, on va faire une consultation citoyenne à partir du mois d'avril qui sera autant sur nos réseaux sociaux que par groupe qu'on va créer, des groupes de consultation. Donc, et cette consultation-là s'appelle « Ma ville, ma fierté ». On parlera entre autres des enjeux là, de la qualité et de la variété des services municipaux, des finances publiques, évidemment. On s'est déjà engagé à le faire, cette consultation-là. De votre vision en tant que Lorettaine et de Lorettain sur notre ville d'avenir, sur l'environnement, les espaces verts, le développement urbain, on travaille déjà sur une réglementation et évidemment la conservation de notre patrimoine. Donc, au cours des prochaines semaines, vous allez être interpellés et on vous invite fortement à y participer. Plus on a d'interactions avec vous, plus on est capable de mieux faire notre travail puis de le faire en collaboration puis en collégialité avec la population. Donc, c'est un peu les points que j'avais à vous dire ce soir et les membres du conseil. On y va maintenant avec la période de questions. Oui, Monsieur Lacaire. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est au sujet de, dans votre journal qu'on a reçu la semaine dernière, vous parlez de... Est-ce que le micro est fonctionnel? Un, deux. Oui, oui, on vous entend. C'est surtout pour le microphone et surtout pour la partie vidéo. Là. Oui, on y va. Dans votre journal, vous ne parlez pas de refaire la rue Saint-Jacques. Vous parlez des trottoirs et créneaux, Saint-Jean-Baptiste. Ah, bien, il n'a peut-être pas été indiqué, mais la rue Saint-Jacques est faite. Va se faire. Ouais. Oui, oui. Oui. Ouais, écoutez, on a un directeur général par intérim qui vous dit oui, s'il vous dit oui. Non, c'est là. Je ne sais pas pourquoi que ça n'a pas été indiqué. Mais dans le journal, quand vous parlez du journal, c'est probablement le journal de l'ancienne Lorette, là. Donc, mais le journal Lorettin qui sort, me semble que j'ai lu le texte, puis il est dedans, c'est là. Lorettin, c'est à l'autre, là. Journal de l'ancienne Lorette, mais c'est peut-être un oubli, là, quand j'ai fait... Non, mais quand je dis l'oubli de l'écrire dans le journal, parce que c'est une entrevue que j'ai donnée, puis j'ai nommé quelques rues, mais j'ai peut-être... oublié de nommer. Je me suis dit, si j'oublie de faire la rue Saint-Jacques, bien, M. Lacaire va me poser la question. Fait que je dis, écoutez, il faut quand même, là, il faut quand même, c'est ça. J'ai des voisins qui m'ont dit. Parfait. Alors, vous pouvez rassurer vos voisins. C'est que ça marche. Merci. Je vais aller vous saluer dans ma marche, là, bientôt. Attention au trottoir. Alors, il y a plusieurs gènes et des On est conscient de ça et c'est pour ça qu'on veut faire la réparation. Oui, monsieur. Je peux baisser mon masque? Ben oui, certainement pour parler. Oui. Je vais juste m'aller vous nommer puis dire votre question. Daniel Lapointe, je vais rester assis parce que j'ai des papiers. Pas de problème, monsieur Lapointe. Daniel Lapointe, bonjour messieurs, mesdames, tout le monde, monsieur Pajot. C'est pour les frais d'agglomération. Oui. Je vais essayer de faire une histoire courte quand même. On a eu deux appels téléphoniques, moi puis vous, dont une, la dernière, le 12 février. Oui. Êtes-vous toujours résident de l'ancienne Lorette, vous? Oui, je reste sur la rue Ferrand. C'est que quand je vous appelais, je m'identifiais. Oui, je me souviens. Ça va. D'accord.
Je vais y revenir pour ça. Oui. Après ça, j'ai consulté les échanges à votre dernier conseil, le 22 février. J'ai vu qu'est-ce que vous aviez dit là-dedans. Puis j'ai vu aussi le 2 mars, dans la publication L'Appel, qu'est-ce qui avait été écrit, qui était un petit peu copie conforme de qu'est-ce que vous aviez dit. Par contre, je me souviens aussi de la discussion que j'ai eue avec vous. Pour faire une histoire courte, là, parce qu'il est quand même tard, il y avait une méthode que vous pouvez rembourser les gens. C'était d'utiliser la vocation de ces frais d'agglomération-là, d'utiliser cette même argent-là pour payer les frais d'agglomération. Vous n'aviez pas de permission à demander à personne. Puis de cette façon-là, les gens pouvaient bénéficier de cette taxe-là qu'on est venu nous chercher, si ma mémoire est bonne, en 2013. Là, 2012. Pour, 2012, OK. Je ne m'estimerai pas là-dessus. Là. On l'a tout payé. Oui, 2006 à 2012, mais c'est en 2013, je pense qu'on avait eu la hausse 2012, de taxe. 2012, de mémoire. Oui, OK, c'est bien correct. Je ne m'estimerai pas là-dessus. Mais juste votre question, s'il vous plaît. Ben, ma question, c'est, j'aimerais, pas juste moi puis les citoyens, avoir ce remboursement-là de cette manière-là. C'est-à-dire utiliser les frais d'agglomération pour payer les frais d'agglomération qu'on a payés en trop, puis pas nous charger en double des frais qu'on a déjà payés puis qu'on a payés en trop. Et j'essaie de comprendre ce que vous m'amenez là. Et je vais juste répéter ce que vous m'aviez dit quand je vous l'avais expliqué peut-être plus calmement dans mon bureau quand je vous ai parlé la fin de semaine. Vous m'aviez dit que c'était une bonne idée même. Mais je ne l'ai jamais vu dans vos explications. Là, très simplement, puis je me souviens qu'on a discuté de ça, cette année, ce que l'on a fait, c'est ce que l'on s'est engagé de faire. La quote-part de l'agglomération a baissé de 1,6 million. On a appliqué ce montant-là sur la baisse du compte de taxes et sur, on a assumé l'inflation de 2,2. Donc, c'est ce que l'on a fait cette année, ce que l'on s'est engagé de faire. On s'est engagé en même temps de ne pas toucher aux 21 millions qui nous étaient arrivés parce qu'on avait dit aux citoyens qu'on allait consulter la ministre à cet effet-là. On a eu les réponses à cet effet-là. On sait que la loi permet 3 choses à faire. Donc, payer notre dette, payer comptant nos immobilisations et payer les taxes. 2022, ce que l'on a fait, on a baissé les taxes avec le montant qui nous a été baissé de la quote-part. Si vous avez bien écouté tout à l'heure, avec les enjeux que l'on a avec l'agglomération de Québec, il n'y a rien de fini présentement. Il n'y a rien de clair avec l'agglomération. Là, actuellement, là, si on regarde ce qui s'en vient, là, on risque, ce qui a été baissé cette année risque de nous être refacturer l'année prochaine, puis encore plus que ça. Et c'est pour ça qu'on se défend et qu'on continue de se défendre devant les tribunaux. On a peut-être reçu un montant, mais le montant que l'on a reçu, là, actuellement, c'est comme si je te donne de la main gauche, mais je me prépare à aller te le rechercher de la main droite, mais avec une plus grosse main. Donc là, actuellement, là, tout est pas mal gelé, tout est pas mal sur la glace. On espère de l'ouverture de la nouvelle administration de Québec. Puis ça, je suis persuadé que mon collègue de Saint-Augustin, il partage mon opinion là-dessus. Là, actuellement, on ne peut pas dire, puis ce serait inconcevable de notre part de dire, écoute, on prend 21 millions, on le met sur le budget, puis c'est réglé, puis ce serait inconcevable. L'année d'après, on va être obligé de les augmenter de plusieurs pourcentages de taux de taxes. Il faut le faire de façon responsable, il faut le faire pour la collectivité. Puis maintenant, et en même temps, on part une consultation citoyenne sur les finances publiques. Donc, vous allez pouvoir vous exprimer à ce niveau-là aussi. Monsieur. Donc, je comprends votre impatience à dire il faut baisser les taxes, il faut baisser les taxes. Il faut que vous compreniez qu'à l'ancienne Lorette, puis ça, je me souviens de vous l'avoir nommé, à l'ancienne Lorette, bon an, mal an, depuis les dernières années, puis on est en train de sortir les statistiques, on a toujours eu un taux de taxe
plus bas ou égal à nos voisines environnantes à l'agglomération de Québec. On n'a jamais eu de taux. Cette année, et il faut le dire, il faut le répéter, on en est fiers, une résidence à l'ancienne Lorette de 297 000, à l'ancienne Lorette, vous payez plus de 300 $ de moins de taxes qu'à Saint-Augustin et une centaine de dollars de moins que Québec. Puis on part notre consultation là, sur les services municipaux. Je ne pense pas qu'on a des services municipaux qui sont en bas des autres villes. Monsieur Pageau, je vais prendre une question, puis ensuite de ça, on va aller à une autre personne derrière vous. Là. Je pense que c'est un dossier important. Là, puis ça c'est tous les dossiers sont très importants. Mais celui-là est plus important que les autres tant qu'à alors, moi. Alors, votre là. Question finale? Là, vous camouflez un paquet de choses, parce que le 4,95 %, là… Monsieur, je vais juste demander de le dire dans le respect. On ne camoufle rien. Le 4,95 % nous a pas été retourné en tout. Puis ça aurait pu être récurrent sur notre compte de taxes. Vous avez pris une partie, 2,95, je crois, pour nous baisser nos taxes. Vous avez joué au Père Noël, je le dis en respect, là, mais en donnant de l'argent. Puis je veux pas juger là, du bien ou du mal de ça, là, mais vous avez redonné de l'argent aux entreprises, là, parce qu'on a traversé la COVID, blablabla. Bla, bla. Puis vous avez appliqué un petit montant sur la dette. Bon, sur les paiements comptants, on a appliqué un petit montant sur les paiements comptants, parce qu'à chaque année, si on veut s'assurer de ne pas avoir à l'ancienne Lorette une dette qui augmente, vous voyez là les investissements que l'on fait actuellement dans nos infrastructures, dans nos rues. Les investissements, une ville comme l'ancienne Lorette, puis mon prédécesseur le disait, là, bon an, mal an, il faut investir autour de 5 millions à l'ancienne Lorette. À chaque taux de taxe, à chaque 1 % là, c'est 300 000 $ à peu près. Donc, faites le calcul, le pourcentage de taxes, si à chaque année, on devait payer ce 5 millions-là par des revenus de taxes supplémentaires. Nous avons une ville qui est bâtie presque à 100 %. On se doit de faire une gestion responsable des finances publiques et de s'assurer d'avoir dans notre portefeuille l'argent nécessaire pour entretenir notre ville, pour payer nos immobilisations, pour s'assurer une pérennité. On veut tous que nos générations qui nous suivent aient une ville aussi belle et aussi performante que celle qu'on a présentement. Donc, on se doit comme gestionnaire de le faire. Et le montant que l'on a mis, que vous parlez, on ne l'a pas mis sur la dette, on l'a mis pour augmenter nos paiements comptants. On est rendu actuellement dans notre budget récurrent autour de 2 millions, Mme Marceau, 2 millions. C'est extraordinaire, ça, pour notre ville. J'entends mon collègue de Saint-Augustin, là, il veut faire ça. Il l'a dit l'autre jour dans les médias. Il veut finir de payer sa dette, là, puis il veut faire ça. Ça fait des années qu'on le fait, nous autres, qu'on a commencé à le faire il y a 4-5 ans et qu'on paye nos immobilisations comptant. C'est la meilleure méthode pour une ville pour ne pas s'endetter continuellement et c'est la meilleure façon de faire pour une ville qui est développée à 100 %. Je vais terminer, en tout cas, pour dire là, que ça, là, c'est notre part d'agglomération que les gens ont payé, puis c'était pas prévu pour les affaires où vous l'avez mis en dehors de ça. La ville l'a payé. La ville a payé sa quote-part. La ville s'est en même temps endettée. Je vous rappelle que lorsque certaines promesses ont été faites, la dette de la ville était à 23 millions. Dans les projections des chiffres, en 2023, la dette de la ville aurait dû être de 12 ou 13 millions. En réalité, aujourd'hui, nous avons une dette d'autour de 40 millions. Nous avons des infrastructures de rue qui n'ont pas été refaites dans les dernières années. C'est une dette qui est dans nos rues que l'on se doit de faire. Là, actuellement, on est assez proactif. On a des fonctionnaires qui sont allumés et qui embarque sur tous les programmes de subvention,
Vous le voyez, même pour les achats à la bibliothèque ou des achats au niveau de les réfections de rue, nos fonctionnaires sont à l'affût de tous les programmes de subvention, même pour quelques milliers de dollars pour Palfir qu'on veut annoncer ce soir. Donc, on va chercher le maximum pour les citoyens de l'ancienne Lorette en subvention pour pouvoir rattraper cette dette-là que l'on a, mais on l'a dans nos infrastructures. Et je rappelle, dans toutes les dernières années, tous les citoyens de l'ancienne Lorette ont eu d'excellents services. Monsieur Pageau, vous n'avez pas demandé la permission pour changer la vocation de qu'est-ce qu'on a payé ou comme frais d'agglomération. Puis selon le budget 2022, ça représente près de 43,7 %, 44 %. C'est notre facture d'aide l'eau. C'est ça. C'est notre facture de l'eau, mais il faut qu'on la paye. Je comprends, mais on a eu un retour, puis vous n'arrêtez pas de dire, bien, on ne peut pas vous leur donner. Ce n'est pas vrai. Je vous l'ai donné, là, une façon de leur donner. Vous payez les frais d'agglomération avec cet argent-là, puis vous nous chargez pas en double, là, peut-être pendant 2 années, 21 plus 9, mais vous parlez de 30 millions. Puis j'ai calculé que dans 2 ans, à peu près, ce montant-là, il serait passé. Puis, c'est pas récurrent en plus de ça. Ça fait que ça baissera pas nos taxes. Puis, vous auriez encore de l'argent pour payer les frais d'agglomération à venir. Puis, je sais qu'il va falloir encore se battre avec la ville pour récupérer de l'argent, etc. Qu'est-ce que vous faites avec notre dette de 40 millions? Qu'est-ce que vous faites avec notre dette en infrastructure? Je vous dis pas qu'il n'y aura pas moyen de trouver un équilibre. Puis, c'est ce que l'on essaie de faire. Sauf que là, présentement, on n'a rien eu, ou presque pas. C'est ce que l'on essaie de faire. Donc, Parce que moi, j'ai calculé que ça représentait environ, là, pour moi, en tout cas, là, que vous avez parlé de 300 000, là, une maison, là, une moyenne, là, ou un petit peu plus, un petit peu moins. Là. Bien, j'ai calculé que c'était 3 000 $. Bien, 3 000 $, là, c'est des sous, ça. Là. Ça. Mais je vous rappelle que pour les services que vous avez à l'ancienne REP, vous payez déjà moins cher que dans toute autre ville. On avait quand même un différentiel de 600 à 800 $ avant que Québec arrive, puis les fusions, puis les frais d'agglomération, puis tout ça. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci. Oui, monsieur. C'est pour en ligne pour qu'on... Dans le tube, là, parce que... Voilà. Moi, j'aurais une question sur les règlements d'emprunt que vous avez adoptés dernièrement pour les réfections de rue, qui totalisaient, je crois, 10 millions. Sur un des règlements, on parle d'une taxe spéciale. J'aimerais savoir en quoi consiste cette taxe spéciale et qui ça va toucher. Il n'y a pas de taxe spéciale sur ce qu'on est obligé de faire. On est obligé de faire des règlements d'emprunt pour avoir les subventions, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de les mettre en application. C'est ça au niveau des règlements d'emprunt. Donc, on n'est pas obligé de les mettre en application, puis il n'y aura pas de taxe spéciale à faire. Mme Marceau peut nous confirmer ça, là. Donc, il n'y a pas dans l'écrit qu'il y a, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Okay. Dans l'écrit qu'il y a, on n'a pas le choix de l'écrire de même parce que le ministère nous le demande de même, mais n'ayez crainte, il n'y a pas de taxe spéciale de fait là-dessus. C'est juste que pour réussir à obtenir la subvention, on se doit de le faire par règlement d'emprunt parce que, de mémoire, je ne sais pas lequel gouvernement, ils ne nous donnent pas l'argent d'un coup. Ils disent « on va vous payer tant par mois ce que ça coûte ». Je comprends, c'est parce que dans un des deux règlements, il n'y a pas la mention de taxe spéciale. Okay. Alors, je me demandais pourquoi dans un des règlements, il y avait mention de taxe mais dans spéciale. Mais je peux vous dire qu'il n'y aura pas de il y a pas de taxe spéciale qui va être appliquée. OK, d'accord. C'est maintenant, est-ce que je peux poser une deuxième question? Ben oui, certainement. Le 21 millions, il est où? Il rapporte quoi? Et notre dette nous coûte combien en intérêt? La dette est à quoi? Est à 2 millions qu'elle nous coûte par année, la dette de mémoire, 1,7, 2,2 dans ce coin-là, que la dette nous coûte annuellement. Il y a ensuite de ça, il y a des règlements d'emprunt passés que l'on n'a pas encore financés, parce qu'avec notre flux monétaire, notre roulement, ce que mon prédécesseur disait souvent, on réussit à ce moment-là à l'utiliser. Dans les prochaines semaines, prochains mois,
c'est clair qu'il y aura des décisions qui vont être prises pour l'utilisation en même temps de ces fonds-là. Puis c'est pour ça qu'en même temps, on va dans la consultation citoyenne au niveau de l'ensemble des choses, finances publiques, et ainsi de suite, pour l'ensemble des services que l'on donne. Donc, on s'est engagé à le faire et on va le faire. Donc, et c'est ça. Puis ensuite de ça, on va arriver avec un plan pour donner aux gens, regardez, là, c'est ce que ça donne sur 5, 10, 15 ans au niveau de l'utilisation de l'ensemble de nos finances. Parce qu'il faut se le rappeler, la ville de l'ancienne Lorette est bâtie à 100 % presque 100 % Ce n'est pas un malheur d'être bâtie à 100 % Tu sais, on est capable de vivre et de survivre. Il y a d'autres villes comme ça. On pense à Outremont, à Montréal, et ainsi de suite. On est capable de survivre facilement. Mais c'est ça. Mais il faut faire des choix judicieux et des choix pour notre pérennité financière. Et le fait d'aller chercher un montant récurrent dans notre budget d'opération pour des paiements comptants de nos immobilisations va faire qu'on va assurer notre pérennité financière au niveau de la ville et surtout de baisser notre niveau de dette parce qu'il est plus élevé que les projections qui avaient été faites dans le passé. Il faut qu'on se ramène à ce niveau-là. Puis, c'est les calculs que l'on fait présentement. On s'attend normalement à ce qu'il y ait d'autres montants qui nous arrivent de Québec, mais en même temps, d'un autre côté, on continue. On est obligé d'aller en cours encore. On a des frais pour ça. Je comprends, sauf que étant donné qu'on a 21 millions qu'on n'a pas utilisé, au lieu d'emprunter, pourquoi ne pas utiliser une partie de ce 21 millions-là? Tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne fait que voter le règlement d'emprunt, mais on ne l'applique pas. Parce que là, on a le flux monétaire qu'on est capable de faire notre bout de chemin. Et pourquoi on est obligé de le faire maintenant? C'est à cause qu'on veut faire nos travaux pendant la période estivale, puis on veut s'assurer d'avoir les subventions, puis surtout qu'on veut partir plus tôt en appel d'offres possible pour avoir les meilleurs prix possibles, parce que quand les carnets de commandes vont être remplis des entrepreneurs, bien, quand il y a un contrat de plus qui arrive, bien, c'est pas grave, on charge plus cher, puis s'ils veulent nous le donner, on va le prendre, bien, on va le faire à temps et demi puis à temps double. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'être proactif et rapide dans nos façons de faire pour avancer nos travaux. Vous savez, là, c'est pas évident de ce temps-ci de faire des rénovations. C'est pas évident de faire non plus des réfections de rue. Pour ceux qui font des rénovations à la maison, c'est pas évident au niveau des coûts. Alors, il faut prendre tous les moyens nécessaires pour obtenir des meilleurs travaux possibles, au meilleur coût possible. Puis c'est ce que l'on fait là, dans la façon de faire. Mais les suggestions que j'ai amenées, là, j'adhère à ça. Là. C'est clair que j'adhère à ça. Là. Ce que je comprends, c'est que au lieu de faire de nouvelles dettes, vous allez utiliser une partie du 21 millions. C'est dans les propositions qu'on lance là, à la population, tu sais, qu'on regarde en même temps. Et c'est pour ça qu'on veut faire une consultation à ce niveau-là, mais une consultation sur l'ensemble des services que l'on offre aux citoyens. Il n'y a rien de mieux que de travailler en collégialité ensemble. Puis vous allez voir à l'ancienne Lorette, là, puis on a commencé là, il y a quelques années, là. Les consultations vont être fréquentes. On va aller vers les citoyens. On ne pense que des réfections de rue. Là. Trouvez-moi des villes là, qui vont cogner à chaque porte. Là. Bonjour, on fait votre rue. C'est ce que vous en pensez. Là. Gardez notre plan et gardez ce qu'on pense. Trouvez-moi d'autres villes qui font ça. Et si notre équipe le fait, puis le fait même à plus d'une fois. Là. Il y a des projets de réfection d'immeubles ou de promoteurs qui veulent bâtir. On dit aux promoteurs, écoute, là, si tu veux réussir à faire de quoi, il va falloir qu'il y ait une acceptabilité sociale. Donc, c'est ça. Donc, puis là, on dit, vous nous présentez le projet, mais vous allez devoir le présenter aux citoyens du secteur, puis il va falloir que ce soit accepté. Et ça fonctionne. On l'a vu dans les dernières consultations. Alors, c'est important, là. Merci. Merci. Oui, M. Gauvin. Pour ce qui est de l'autre partie, là, qu'on est supposé avoir à peu près le montant similaire, quand est-ce que vous attendez? Bien, écoutez, on essaie de s'asseoir avec Québec pour discuter. On a des gens là, qui travaillent là, au niveau de la trésorerie, ensemble avec les gens de la trésorerie de Québec. On souhaite obtenir ça dans le courant de 2022. Mais tu sais, on n'a pas les montants définitifs. On n'a pas. Puis,
Là, actuellement, ce qui complique la chose, comme je vous disais tout à l'heure, c'est le règlement, les deux règlements que la Ville de Québec a adoptés le 22 décembre dernier. Ils nous ont lié les pieds et les mains. Et pire que ça, en se présentant à l'ADLO, moi, je vous dis, là, je me présente à l'ADLO présentement, là, puis je leur dis, je m'abstiens. Et là, ils me disent, vous n'avez pas le droit de vous abstenir selon le règlement. Je le sais que je n'ai pas le droit, mais je suis obligé de m'abstenir. Puis là, bien, si vous ne le notez pas au procès-verbal, bien, au moins, ça va être enregistré sur la vidéo. Parce que si je vote pour ce règlement, que vous, ça arrive dans un cas, si je vote pour ce règlement-là, je suis piégé. Si je vote contre, je suis piégé. Pourquoi je suis piégé? Je suis piégé parce que vous avez adopté un règlement qui va désavantager la Ville de Lancenerette. Donc, tout ce qu'on peut faire, Ville de Québec détient le monopole décisionnel de l'agglomération de Québec. Donc, c'est une réalité. Et actuellement, avec le règlement qu'ils ont mis en place, ils ont mis en place des règlements pour piéger Saint-Augustin et l'ancienne Lorette. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce que la Ville de l'ancienne Lorette fait concernant ça, le ministère des Affaires municipales, la Ville de Québec ne respecte en rien depuis 2007 ou 2008, aller jusqu'à aujourd'hui. Quand tu ne fais pas ça et que tu es citoyen, tu te fais manger puis tu te fais ramasser parce que tu ne respectes pas les lois, pourquoi que eux autres, ils font ça à tour de bras puis c'est à nous autres à se battre? C'est ce qu'on fait, puis on se bat sur toutes les tribunes. On se bat à la CMQ. Donc, on a déposé une plainte à la CMQ. On est en audience à la CMQ. On a réactivé notre procédure judiciaire à la Cour supérieure. Donc, là, actuellement, le travail se fait. C'est obligé de se faire avec avec les avocats qui sont là. On n'a pas le choix. C'est les deux moyens qui sont mis à notre disposition. Moi, ce que je lance à mon homologue de Québec, venez donc, on s'assoit ensemble puis qu'on regarde ça. Juste l'argent qui est mis et le temps qui est mis à la Ville de Québec pour répondre à nos questions à chaque séance d'ADLO, et même chose, le temps qui est mis ici à l'interne, ça paye tout ça. Tu sais, assoyons-nous entre politiciens, regardons ça tête froide, puis essayons de trouver des solutions qui vont être gagnant-gagnant, puis respectons surtout les ententes qui ont été signées. Juste respecter les ententes qui ont été signées, là, puis on vient de faire un bon bout de chemin. Vous n'avez jamais rencontré le premier ministre, puis il parlait de ça? Non, on a fait des démarches à plusieurs niveaux, puis on continue à en faire. Pour le moment, je ne peux pas vous les dire toutes, mais on en fait à d'autres niveaux. Donc, mais là, actuellement, ce que l'on se devait de faire et ce que l'on a fait au niveau de mois de décembre puis début janvier, c'était de prendre nos procédures pour ne pas perdre nos droits. Et c'est ce que l'on a fait le plus rapidement possible. Puis ça, ça avait été entamé bien avant par M. Loranger, là, 2017-2018. On avait entamé ça. On avait vu venir un peu l'affaire. Mais au point de vue aussi sournois que c'est arrivé au mois de décembre, là, c'est ça. J'ai parlé de séance du conseil municipal dans le respect. Donc, je vais garder mes termes pour moi, pour mais ça. Mais ça peut-tu rentrer dans les droits acquis, ces deux affaires-là, là, qui voulaient nous... Là, actuellement, on est reparti en procédure judiciaire, puis on se fie au jugement des juges. C'est les forums qui nous sont donnés pour ça. Puis moi, j'ai pleine confiance aux juges. On a eu raison les deux premières fois, là. Donc, puis c'est exactement la même affaire. On est reparti sur la même spirale. Donc, c'est ça. Merci. Merci, M. Gauvin. Oui. Un dernier commentaire, monsieur le maire, M. Pageau. J'ai eu un communiqué à un moment donné aussi. M. Loranger m'avait répondu le 4 février 2020, puis j'y avais posé la question. Puis vous avez peut-être même été là quand il avait fait sa réunion à l'église, là, oui. Puis tout ça. Puis moi, j'y avais posé la question à propos de nos remboursements, puis notre différentiel au niveau des taxes foncières, puis en tout cas, toutes ces affaires-là. Puis il m'avait dit que c'était le but visé.
J'ai un écrit ici qui dit oui. C'était le but visé de essayer de retrouver notre différentiel, même si on s'y rapprocherait sans avoir les mêmes montants. Là. Je veux bien, mais tu sais, dans les mêmes écrits, puis M. Loranger l'avait écrit tout de suite après les élections de 2017 en disant qu'il y avait eu des erreurs dans ses chiffres pendant la campagne électorale. Puis qu'au niveau de la dette particulièrement, puis là, on le voit que la dette, elle a augmenté, alors que la dette devait diminuer. Puis le résultat de sa démarche de dire « on va faire ça avec l'argent » était, selon moi, de ma compréhension, était piloté par le fait que la dette diminuait. Mais après l'élection, il a dit « oh, je me suis trompé, la dette, finalement, elle augmente ». Puis dans toutes les avancées, tout ça. Puis, vous savez, là, M. Loranger a travaillé très fort pour la ville de l'Ancienne-Lorette. Très respectueusement, tout ce qu'il a fait pour faire, que, j'arrête pas de le dire, là, la ville de l'Ancienne-Lorette existe aujourd'hui grâce à tous les efforts qu'il a fait dans le temps. On se doit de poursuivre ce combat-là. On se doit de le faire pour les Lorettaines et les Lorettains. Puis de s'assurer la pérennité pour des années. On ne veut pas tomber dans une affaire qui va dire on s'est tellement endetté que là, qu'est-ce qu'on fait? Puis on ne veut pas se retrouver dans la situation que Saint-Augustin s'est retrouvé il y a quelques années. Donc, comme gestionnaire, comme administrateur responsable, on se doit de faire les bons choix aujourd'hui. Puis on avance peut-être pas vite, mais on avance. Mais quelque part, M. Pageau, vous nous chargez indirectement, pas en double, mais vous nous surchargez avec la fameuse taxe d'agglomération, étant donné que vous ne nous la retournez pas. Puis entre, moi, je regarde ce que j'ai reçu, j'ai un crédit de taxe peut-être de 120$ par rapport à 3000. On pourrait se rasseoir, mais non, il n'y a pas de charge indirecte, mais non, il n'y a pas de surcharge de taxe. Je vous le rappelle. Bon an, mal an, au cours des dernières années, la ville de l'Ancienne-Lorette a toujours eu soit un compte de taxes plus bas ou égal aux autres villes de l'agglomération. Donc, bon an, mal an, là, et regardez les services que l'on donne à l'Ancienne-Lorette. L'autre jour, il y a une dame qui est venue ici qui me parlait de même propos que vous, puis j'ai demandé, les années que vous avez été à l'Ancienne-Lorette, avez-vous eu des bons services? Elle dit, j'ai toujours eu des excellents services. C'est ce qu'on veut continuer. Vous détournez la solution, M. Pageau. Bien, écoutez, c'est votre compréhension de tout ça, mais très honnêtement, non, je ne crois pas. Donc, merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Je pense qu'il y en avait une sur les... on avait eu par courriel de mémoire. Je vais regarder ça ici, au niveau courriel. J'aimerais, c'est Madame Marie-Josée et Patrice, donc Monsieur Patrice Germain. Donc, bonjour, j'aimerais savoir à quel point nous en sommes concernant les passages fréquents d'hélicoptères au-dessus de l'Ancienne-Lorette. Pouvons-nous nous attendre à un été beaucoup plus raisonnable? S'il vous plaît, ne nous dites pas que c'est tranquille en ce moment et que vous n'avez rien fait. Non, madame, on ne vous dira pas ça et que c'est normal que c'est plus tranquille, la période touristique est à son plus fort. Donc, évidemment, M. Germain, donc oui, il y a des choses qui ont été faites, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, Mme Grenier, et il y a des démarches qui sont faites là avec notre directeur général par intérim et l'aéroport. Il y a des rencontres qui sont prévues et il y aura une rencontre citoyenne spécifique pour les hélicoptères de fait à la fin du mois d'avril parce qu'on a demandé, toute la période hivernale, on a eu quelques rencontres avec l'aéroport de Québec, autant pour le 737 que pour les hélicoptères et on leur a demandé de travailler fort pour nous soumettre leur plan de match et de venir présenter ce plan de match-là aux citoyens, ce qu'ils ont accepté. Donc, normalement, de la fin du mois d'avril, vous allez recevoir une invitation. Il y aura une invitation qui sera lancée par lettre aux gens du secteur, puis il y aura une invitation infolettre au reste de la population qui voudront y assister. Ce sera deux rencontres distinctes, une rencontre spécifiquement sur le 737 et une autre rencontre sur les hélicoptères. Donc, je pense que ça fait le tour du dossier, M. Miette. Donc, ça va pour ce point-là. Est-ce qu'il y avait des interventions au niveau du web? Monsieur le maire, alors, il y a...
Alors, il y a un commentaire de Bruno Dumaine qui dit tout d'abord félicitations pour la mention par rapport au peuple ukrainien. Ensuite, le deuxième point, l'exemple donné par M. le maire à propos de la ligne du chemin de fer au-dessus de la 18e rue et le ton des échanges avec la Ville de Québec sont éloquents. Est-ce qu'il y a eu des réactions à l'article paru dans Le Soleil le 18 janvier de cette année qui dénonçait cette situation? Bien, nous, on l'a dénoncé à l'agglomération. De mémoire, je pense qu'il y a eu des échanges au niveau du Conseil municipal de Québec, mais je n'ai pas les résultats, mais je sais qu'il y avait eu des questionnements au niveau du Conseil municipal de Québec. Écoutez, que Québec accepte de payer ça, c'est une chose, 40 millions, que Québec refile la facture 100 % d'Adlo et que nous, au total, ça risque parce que je pense que c'est pas fini, cette dépense-là, que ça finisse pour nous à 1 million. C'est énorme pour la ville de l'Ancienne Lorette. C'est énorme. Donc, c'est pour ça que... Puis, on n'a pas le contrôle. On a beau voter, on pourrait arracher notre chemise. On a deux votes, Saint-Augustin et l'Ancienne Lorette. C'est pour ça qu'il faut qu'on trouve une solution constructive pour tout le monde. Ensuite, M. Dumaine ajoute également, merci à Mme Lorrain pour son intervention à propos du programme « Mon arbre à moi ». J'espère que plusieurs citoyens en profiteront. C'est mon intention pour ma petite fille née en février. Et ça complète pour les commentaires sur le web. Merci. Donc, ça complète pour les membres du Conseil. Merci beaucoup. Merci, messieurs, dames. On avait une séance assez costaude, mais je pense qu'on s'en est tiré assez bien. Tout le monde, merci de m'avoir ramené des fois sur certains points. Donc, quelqu'un pour proposer puis appuyer la fin de la séance? Je propose. Madame Ossio. J'appuie. Et Madame Grenier. Merci beaucoup. Bonsoir.